C'est quoi le plan de carrière du coach? Écoutez, on a Swansea. On est en première saison à Swansea. Il y a eu des bons, il y a eu des mauvais. Swansea est quand même endetté. Donc en fait, Swansea a 21 millions à rembourser. Donc c'est un peu la merde. Mais on a quand même pu investir sur 2-3 pépites. On a investi sur Patrick. Patrick est vraiment la pépite. Regardez comme ça progresse avec une fulgurance. Patrick, jeune brésilien de 19 ans. Il nous coûte 7500 balles. Aujourd'hui, il vaut 1,4 million, 2 millions. Mais demain, il vaudra sans doute des milliards. On sera sans doute sur un Patrick qui vaudra des milliards. Nyoponé, tu as peut-être déjà évoqué, mais avec la sortie officielle, tu continues à partir, tu recommences une save. Je continue ma partie. Pourquoi? Parce qu'en gros, la sortie officielle va changer quoi? Ça va faire sans doute des correctifs de bugs, voire des correctifs sur le match engine, qui vont s'appliquer sur ma game. Le seul truc qui ne s'appliquera pas, c'est que s'il y a eu des derniers transferts, il y a une mise à jour de base de données, mais on s'en fout. En gros, recommencez vos games si vous voulez avoir la base de données la plus proche de la réalité. Mais moi, on est dans un monde parallèle. Moi, c'est bon, c'est parti, quoi. Nous, on est parti, ça va rien changer. Et tous les correctifs in-game seront valables dans ma save. Donc, je vais garder Swansea. L'idée, c'est quoi? Swansea est un club gallois. Vous connaissez un petit peu mon petit côté moqueur au niveau des Anglais. L'idée, c'est vraiment de faire la nique aux Britons avec un club gallois, quoi. De gagner avec le Pays de Galles en Angleterre. On est actuellement en Premiership. C'est la deuxième division. Et c'est vrai qu'on est, une division très serrée, quoi. Très compliquée. Une division vraiment de... Dure. Il y a trois descentes, il y a trois montées. Le premier monte directement, il est champion. Le deuxième monte directement. Et après, il y a un système de barrage. On est pour le moment placé en bordure de barrage à la lutte avec Plymouth, Leicester et potentiellement Bristol, on peut dire. On est au 25e match. On est dans la deuxième phase du championnat. On est actuellement le 29 décembre. Donc, il va y avoir le mercato d'hiver. Pour le moment, on a un bon groupe. On a un bon groupe. On a peut-être des mecs à vendre, mais on a un bon groupe. Tu l'as eu où, Patrick? Patrick, je l'ai eu... Je sais pas, on me l'a proposé. Patrick, je sais pas où est-ce qu'il était, Patrick. Patrick, t'étais où, mec? Patoche. Brésil. Patrick. Il était où, Patrick? Historique. Patrick, il était à Bahiana. Au club de Bahia. Club de Bahia, club professionnel, club de plaisir. Là, est-ce qu'il y a aussi des gens un petit peu stylés, là? Est-ce qu'il y a des gens un petit peu stylés? Des gens qui ont une note moyenne convenable. Danilo Fernandez. 800 ans. Bon, d'accord, Danilo, c'est bien. Ademir, 28 ans. Pas mal, Ademir, en ailier, là. Pas mal, Ademir. Après, moi, il me faut des moins de 21, quoi. On a l'âge des mecs? Foutez-moi. Ah, c'est vrai que j'ai toujours la Arthur View. Elle est infâme, cette vue, mais bref. Paulo Souto, il n'y a que des... Gabriel Xavier. On regarde au Brésil, on sait jamais, tu sais. Biel. Incroyable, ce blaze. Déter, inspi. Décision. Pas mauvais, l'ami, hein. 22 ans. Pas mauvais, hein. Je suis content, j'ai interviewé la dernière recrue de Monaco, Kassoum Ouattara. Avant qu'il signe à Monaco. Il sera à Monaco dans la dernière mise à jour. Stylé, mec. Swansea des Bayern. Belle coupe. Pas mal, hein. Il y a un côté... ouais. Il y a un côté... Bon, monsieur, on vous a fait le shampoing. Il faut passer au bac pour vous rincer. Bon, en gros, on a une équipe... on a une équipe assez solide. On a une équipe portée sur la défense et sur l'attaque. Une équipe plutôt complète avec un style de jeu. On a voulu installer un style de jeu très défensif. Bon, on va dire que je suis pas capable de le faire, mais bon, j'ai l'impression que c'est compliqué. On a des chouchous, notamment Dani Ladekon. Dani Ladekon, 35 ans, il est débarqué, voilà, allemand, tireur de coup franc, tireur de corner, délicieux. Les stats parlent pour lui-même, hein. 7 passes décisives, 4 buts. Dani Ladekon, une note de 7.12, il fait une saison merveilleuse. Bon, le problème de Dani, c'est... Il aimait les gros matchs, il était régulier. Le problème de Dani, c'est que Dani, il s'est fait le tendon d'Achille, putain. Contre Middlesbrough, sur une axel. Moi, sur un axel, sur sans doute une faute d'un joueur de Middlesbrough. Joyeux lundi, bien sûr, joyeux lundi.
Donc, il y a eu un attentat sur Dani. On a décidé de remplacer Dani. On est allé chercher une pépite. Antonin Bobichon. Antonin Bobichon. 15 ans corner, 15 ans coup franc. Il jouera donc sur le côté. Il a les deux pieds. Il nous vient de Laval. 180 patates, on a balancé. 180 patates. On va le payer 45 ou 50 000. Physiquement, il est grave présent. Mentalement, c'est un monstre. Il a la frappe de loin. Il a la passe. Collectif, c'est ok. Il a un peu de sang-froid. Il a tout pour lui, en fait. Il a tout pour lui, Bobichon. Il a du centre. Il a du dribble. Il a de l'appel de balle. Il a tout pour lui, Bobichon. On attend maintenant avec une certaine impatience qu'il arrive. Au niveau du calendrier, on a eu un gros souci au niveau des matchs à l'extérieur. On n'arrivait pas à gagner des matchs à l'extérieur. On a réussi à battre Coventry. On les a poutrés. Maintenant, on a Birmingham. Attention, deuxième du championnat. Et Leicester, avec qui, si vous avez suivi, on est taille-taille au niveau du classement. Donc, les deux matchs à l'extérieur vont être extrêmement importants. On a également des matchs à domicile, où à domicile, on est très serein. Au Swansea.com Stadium, on est très serein. On est très épais, très efficace. Et là, on va jouer West Brom 13e et Southampton après premier. On a fait tomber Middlesbrough qui était premier. On a fait tomber Norwich qui était premier. On se doit de faire tomber des énormes merdes. Voilà à peu près le bilan. Pour le moment, ça se passe correctement. On est 6e. 12 victoires. C'est propre. Oula. Bobby, les bons tuyaux. On verra. On verra Bobichon normalement. Bobichon arrive, Patterson se casse. Fin du prêt de Cooper, fin du prêt de machin, fin du prêt. Bon, là, il y a plein de prêts qui tombent. On va peut-être essayer de vendre des gars, essayer d'amasser masse de thunes. La Bobby, je postule au Ballon d'Or. Pour le moment, non. Il n'a pas encore assez de matchs avec Swansea. Mais prochainement, oui. Serrez-vous si Dani vous manque. Non, Dani, c'est terrible. Dani, c'est terrible. Ce sont des joueurs anglais qui te portent, ne l'oublie pas. Alors, c'est marrant que tu dis ça. Eh ouais, mais... Je veux bien lui offrir un contrat, l'ami, mais quand même, physiquement... Après, c'est un gardien, hein, mais... Non, je lui offre pas de contrat. Ali Hamada. Oh ! Est-ce qu'on ose le contrat Ali Hamada ? 1m90, 15 de détente, 16 de courage, 16 de déter. Bon, QI foot négatif. 17 de dégagement, 19 d'excentricité. Oh non, ça va te foutre le bordel, ça. 8 ans comme, c'est de la merde. 17 en réflexe, 16 en relance. 20 sorties dans les pieds. En vrai, il a des bonnes notes, quand même. Hein. Il a des bonnes notes, mais il a quand même des notes qui font chier. Genre, dégagement au point et tout. Excentricité, mon gars, à 19, c'est la merde. Dégagement des points à 12, c'est la merde. Comme à 8, c'est de la merde. Décision à 5, j'en parle même pas. Ouais, excentricité compliquée quand même. Excentricité compliquée. Sacré Ali Hamada. Des joueurs en fin de contrat. Joe Allen. Il prend combien? 60 000 balles. Ouais, mais il va baisser. 33 ans, certes, c'est l'emblème du Pays de Galles, mais je pense qu'on trouvera mieux à l'avenir. Kyle Naughton, bah, on l'a vendu. Ogbeta. Ogbeta, c'est pas mal, mais je pense qu'on trouvera mieux. Puis il est anglais, donc c'est pas grave. Liam Walsh. Il est anglais. De toute façon, on l'a vendu, non? On essaie de le vendre. C'est vrai que Liam Walsh, on s'en bat les couilles. Pas pourquoi. Hein. Brandon Cooper. Bah, c'est vendu, non? C'est bientôt vendu. Josh Thomas, c'est mentalement, c'est solide. On n'a rien dit sur toi. On n'a rien dit. T'es solide mentalement. Non, mais pourquoi il joue pas, Josh Thomas? Il a quel âge? 21 ans. Il a de la déter. Bon, décision, c'est nul. Mais il a du courage et tout. Il fait 1,75. C'est dommage. Un peu d'accès. Bah, Josh Thomas, il pourrait jouer presque. Il pourrait presque jouer, justement. Il est en prêt, autant pour moi. En prêt à Port-Valais. Ok, c'est pour ça. Ok. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Reporte-moi les décisions. J'ai noté que les contrats des joueurs suivants, membres de l'équipe de jeunes à Swansea, vont bientôt prendre fin. Ouais, mais ils sont nuls à chier, non? À part Evan Griffith, quoi. Il reste encore du temps... S'il reste encore du temps, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Excentricité, c'est quoi? En gros, c'est ton gardien va être amené à faire des dingueries.
Ton gardien va faire des sorties un peu plus folles. Ton gardien va porter plus le ballon. C'est quoi ton skin? Vous avez la commande skin, les copains? On signe sans regarder. Excentricité plus concentration va rire. Non, non, non. Bobichon a marqué ce week-end. Très beau lob qui plus est. Putain. Il plaise. Il est incapable de marquer des buts de moche. Tous ses buts sont incroyables. Putain. Il va tellement nous régaler. Bon, ça, ça va dégager. Prochain match, West Brom. West Brom à domicile, on doit les poutrer. La tactique, pour ceux qui s'y intéressent, on est en 4-4-2. Un 4-4-2 mi-losange. Un 4-4-2 mi-losange avec un ailier défensif qui est Pedersen, enfin, qui est plutôt Tijanon, mais bref, voilà. Et un ailier qui était Dani Ladekon, qui sera et qui est Bobichon, qui est de temps en temps Liam Cullen quand il est en rédemption. Donc voilà, c'est notre système de jeu en termes de coups de pied arrêtés. Bon, sur les corners, on est sur une optique de contre-attaque. On n'a jamais été capable de faire une putain de contre-attaque de toute notre life. Et offensivement, on en a deux. Un au premier, un au deuxième. On constate que au deuxième poteau, on a mis zéro but, non? On n'a pas mis zéro but? Attends. Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit les corners? On a les corners? Corner, y'a rien. C'est pas là. Où est-ce que je vois là, genre, les zones de but, là? Il y avait un endroit où tu voyais d'où tu marquais. On met vachement de buts ici, hein, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, 34% de nos buts sont là, quoi. Par contre, nos tirs sont où? Putain, on tire en haut. Putain, c'est fou d'envoyer autant sur le poteau. Très beau prénom, Bobichon, bien sûr. C'est quoi un skin sur FM? Un skin, c'est juste le design du jeu. Tu peux modifier le design du jeu. Salut les belles beteux. Salut Portos. J'arrive, ça parle de poutrage. C'est l'idée. C'est l'idée. Pourquoi Swansea City? Parce que j'ai le maillot. Voilà. Parce que j'ai le maillot qui est magnifique. D'accord. Où est-ce que je vois les... Attends, mais où est-ce que je vois les buts inscrits? C'est un streamer sauvé. Moi, j'ai le panache au pays de Galles, mais ouais. Je préfère jouir avec le kiki dur. Ouais, je comprends. Merci, Bribri du 63. Je sais que c'est pas ton message que t'as écrit, mais merci pour le 16e mois d'abonnement. Tout parce qu'il y a un hymne incroyable. Pour la musique. Pour la musique, essentiellement. Personne ne sait? Ça, je m'étais mis tout ça, mais attends. Tu vas bien, mon poney? Ça va, mon Portos? Très bien. Qui a gagné la LDC en 2 ans? Ah bah. Perte de balles, rendement offensif, but. Franchement, on est dans le vert dans toutes les stats. Hein. Mais je sais pas où c'est, putain. Ça me rend fou. Ah! Ah, c'est là, putain, je suis débile. Ok. Dernier 34 matchs. Bon, on a tendance à pas marquer en fin de match. Ça, c'est une vraie info. Nous, on marque en première mi-temps. Frappe placée, frappe puissante, tête 14. Quand même. Match de championnat. Putain, on marque jamais là, quoi. Frappe puissante, frappe placée, tête 6. Putain, on ne marque pas dans le dernier quart d'heure. C'est une info importante. Passe décisive. Corner. On a marqué sur 7 corners. Ça repart pour un mois de terme technique. Et vive l'aubergine. Merci mon momol. Merci pour les 6 mois. Le foot n'aime plus Guignon par contre. Ah merde. Wouah, mais il y a 2-3 bugs des fois là, c'est inquiétant. Bienvenue Mister Z. Erreur adverse 4, ça fait plaisir. Passe en prof 15. Centre 7. Bon, on est sur 7 corners. Hein. Ok, on a marqué sur tous les corners. 15 corners, putain, mais ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'en match amico, on a mis autant sur corner qu'en championnat. Et on encaisse. On encaisse pas trop. Et nous, vraiment, dans le dernier, dans les arrêts de jeu et dans les dernières secondes, c'est pas le moment où on encaisse le plus. Vas-y, on a pris des bangers de loin aussi, on n'y peut rien.
En championnat, on fait comment? On prend zéro corner, mec. On prend zéro corner. Mec, on prend zéro corner. En défense sur corner, on est intraitable. On prend zéro but sur corner. Incroyable. Incroyable. On saura que si on est mené à 15 minutes de la fin, c'est la fin de tournage. Ça risque d'être fin de tournage, en effet, ouais. Attends, on prend zéro but sur corner, ce qui fait vraiment plaisir. Ma question est... 23 buts sur les buteurs. Des petits buts ici. Oh là là, les décès. Bon, ça, c'est les buts sur corner. Et là, qui nous met des buts? À nous, c'est plus varié quand même. On prend des buts de tout le monde, quoi. Ok, bah soit. En vrai, c'est intéressant. Ok, en vrai, c'est pas mal. D'accord. Bon, juste, on met vraiment un but dans les derniers instants, quoi. Incroyable. Enfin, c'est bon à savoir. Mais attends, mais là, j'ai le jeu qui bug beaucoup plus que d'habitude. J'ai des ralentissements qui sont pas normaux. On va essayer ça comme ça. On va essayer ça comme ça, on verra. Pas normal. Un attaquant star pour le mercato? Tu veux dire un attaquant plus star que Gériette? Bizarre. Bizarre l'ambiance. On est favori. On joue West Brom, qui est donc 13ème de Skybet. West Brom qui reste sur quoi? West Brom reste sur quand même match nul. West Brom, ça fait 3 matchs qu'ils ne gagnent pas. Attention aux fins de série. Attention aux fins de série qui peuvent nous coûter cher. Bien évidemment, le qui va gagner? Le qui va gagner pour déterminer qui va gagner? Est-ce que c'est Swansea? Est-ce que c'est match nul? Ou est-ce que c'est West Brom? West Brom, wesh! Albion. Vous pouvez miser, vous pouvez voter. C'est parti. Alors que je vais faire à peu près la composition. On est quand même... Ah, je suis con, vous voyez là. L'arbitre, il a... L'arbitre est un cow-boy. L'arbitre est un cow-boy. Ça repart pour un mois de terme technique. Oh! Et vive l'aubergine. Qu'on y gèle. Alors attendez, il y a petite dinguerie là. Petite dinguerie. Alerte. T'avais déjà des frises sur City Skyline. Ouais, mais sur City Skyline, c'est d'accord, tu vois. Sur FM, là, je comprends pas. Attendez, il y a une dinguerie. On y arrive. Attendez. Bragi, merci beaucoup pour le deuxième mois. Et un énorme merci à Juju les... Massia, Juju les couilles. Ouvrez les oreilles. Massia. C'est juste votre vie. Massia, Juju les couilles. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir dans le salon princier le comte Juju des Coulicous, qui nous envoie des écus dorés à la gueule. Il envoie les écus au gueux. Merci, comte Massia Juju des Coulicous. Merci pour les 20 subs offerts à de bien belles personnes, bien évidemment. Merci beaucoup. Faites attention quand même, c'est de l'argent. Merci beaucoup, Juju, qui offre des subs à Valou, à Mère Bleu le gueux, à MC Drake le gueux, à La Duche le gueux, à Sidwell le gueux, à Mac Chao le gueux, à Didou le gueux, à Culture le gueux, à Slap le gueux, à Nansuka le gueux, à Zoan Rangers le gueux, à Marlo le gueux, à Flicis le gueux, à Idriss le gueux, à Ken le gueux, à Barbe Mitzvah le gueux, à Bentakos le gueux, à Alex Moll le gueux, à Oreo le gueux, à RCCHG le gueux. Merci pour eux, merci beaucoup mon seigneur. Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup. En toute simplicité, bien évidemment. Remercier Juju les coulicous, bien sûr. Il veut pécho, viens viewer. I'm Sirdeg, c'est un plaisir. Le gueux. Nance Duquin, le gueux. En tout cas, merci infiniment. Merci pour les 20 subs offerts. C'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. Liam Cullen, la rédemption pourrait partir libre de tout contrat. Comment ça? Il semble clair qu'il souhaite discuter de quelque chose avec vous. Liam Cullen réfléchira à son avenir au club et pourra attendre. Oh! Liam Cullen, qui est normalement sur la rédemption, est un peu moins sur la rédemption ces derniers temps. Liam Cullen nous casse les couilles. Liam Cullen, 24 ans. Nous, on y croit sur Liam Cullen. J'ose le dire, on y croit. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ça s'entraîne mal, ça joue mal. On y croit sur Liam Cullen. On y croit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne suis pas particulièrement heureux ici et souhaite partir. Même si je dois aller au bout de mon contrat. Oh putain. Oh putain. Oh putain, viens te battre.
Amenez-le dans mon... Corinne, amenez-le dans mon bureau. Amenez-le dans mon bureau, Corinne. Ça va chier les bulles carrées. Merci, Corinne. Alors, très bien, je ne vais pas tenter de vous vendre avant votre départ du club en termes de votre contrat. Promettre. Dans ce cas, vous ne me laissez pas d'autre choix que de vous vendre pour récupérer l'argent de votre transfert pendant qu'il est encore temps. Vous n'irez pas au terme de votre contrat. Faire machine arrière. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là. Je suis prêt à vous garantir que vous serez mieux traité à partir de maintenant si cela me permet de vous garder au club. Convaincre. Je préférerais qu'on n'en vienne pas à ça. Et je vous conseille d'étudier toutes vos options. Je vais lui dire, Liam, on ne s'est pas compris. Tu voulais un salaire exorbitant, je te l'ai pas donné. Ça part de là. C'est une histoire de thunes, en fait. C'est une histoire de thunes, mon Liam. Ça me paraît bien. Mais ne m'en voulez pas si je préfère attendre de voir avant de m'engager avec le club sur le long terme. Mec, il faut de la distance. T'es en train de... tu fais un pas vers la rédemption. Votre volonté de céder à Liam la rédemption sans avoir été apprécié. Non, j'ai rien cédé du tout. Ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Tu vois, ça va mieux, le moral. L'attitude de Liam Cullen, la rédemption, était clairement problématique en début de conversation, mais il a semblé nettement plus positif à la fin. Son attitude, apparemment positive au terme de la conversation, semble s'être reflétée dans son moral d'ensemble. Putain. Liam Cullen, la rédemption. Traiter le joueur de manière plus juste. Ouais, mais ça veut rien dire. Cette conversation semble avoir eu un effet positif sur le moral de Liam. Cette conversation semble avoir créé des liens entre Liam et vous. Oh putain, il veut baiser. Il a encore baissé sa culotte. Non, j'ai pas baissé ma culotte. Non. J'ai négocié intelligemment. J'ai fait un pas vers Liam. Liam fait un pas vers nous. Oh là, Patrick. Je suis convaincu que Patrick est désormais capable de bien jouer à son nouveau poste. Ah, Patrick! Alors, c'est vrai que c'est bien parce que... ouais. C'est bien parce qu'il joue plus là du tout, en fait. C'est bien parce qu'il joue plus du tout là. Mais bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il passe dans le vert quand même, l'ami. Il va passer dans le vert, ça va faire plaisir. Et après, on l'entraînera en milieu centre. Milieu axial offensif. Ouais, en vrai, on va le faire bosser là-dessus aussi. Parce que l'endurance et tout, hein, il doit bosser là-dessus. Le tacle. Bon, le tacle, on s'en carre un peu, mais tu peux bosser bien, mec. Plusieurs joueurs ont fait part de leur mécontentement. Ouais, bah, putain, ils se font tuer le cul. Un an, bordel. Merci, mon Grems. Merci pour les 1 an. Merci beaucoup. Putain, 1 an, mec, que tu suis cette chaîne. Est-ce que tu t'en sens... ça se passe bien? Enfin, je veux dire, mentalement, c'est OK? Tu valides, quoi, le fait d'être là depuis 1 an? Liam rentre dans le loft. Quel est son secret? Non, Liam, on y croit. Ah, mais ça rame parce qu'on est en période de transfert un peu, là. 31 décembre, c'est le bordel. Et bonne année, hein! Bonne année, tout le monde! Bonne année à tous, hein! Bonne année, tout le monde dit bonne année dans le chat, voilà. Bonne année tout le monde. Bonne année. Allez, bonne année, c'est le 31 décembre, les gars, dans le jeu. Bonne année à tous. Bonne année, tout le monde. Bonne année à tous les gros baisers. Bonne année, surtout qu'elle soit bonne, hein. Bonne santé aussi, bien sûr. Les dirigeants de l'OM pensent à Aspria. Yasser Aspria. Mais je crois qu'ils nous l'ont proposé, Yasser Aspria. Ah non, 11 millions, non. Oh, Ryan Giggis! Qui ne saute pas, ne saute pas. Et merci, joyeux Canesson, pour tous les délires et la bonne humeur. Let's go, Swansea. Putain, c'est beau, ça. Merci infiniment, mon Ryan. Merci pour les 9,69€ que tu m'as envoyé en tips. Merci beaucoup. Merci. Personnel. Merci. Ok, donc là, on refait à la mano, bien évidemment. On refait bien sûr tout ce qui est tactique. Hein. Voilà. C'est une grosse session de possession. C'est tactique. Là, on va se remettre un petit qui coup ne de saute pied. Pas, ne saute pas. Et... merci, bien joyeux Canesson, pour tous les délires et la bonne humeur. Ouais. Let's go, Swansea. Masque GE off. Merci pour le 7e mois d'abonnement. Tactique de match, bilan de match. Et hop. Esprit d'équipe, voilà, ils sont pas contents, mais ça leur fera la bite. Ok, tout ça, c'est fait à la mano, vous inquiétez pas, c'est fait par un professionnel. Je vous conseille d'utiliser tout le temps les génériques
de mettre à la fin des bilans de match, des tactiques de match et esprit d'équipe pour avoir des liens verts petit à petit. Voilà. Bon, là, je viens d'avoir le gérant de Jeumain. Bah, c'est bien ça. Faut qu'on discute tous ensemble. Christian Fletcher a terminé sa période de prêt à Swansea et est retourné à DC United. Fletcher n'a pas fait le moindre apparition sous le maillot de Swansea lors de son séjour au club. Et bah bravo à lui. Bonne journée. Bonne journée à lui. Bon, pour le moment, on n'a pas d'oseille. C'est la merde. La période de transfert anglais a débuté. Swansea n'a actuellement aucun joueur avec un permis ESC. Les places de permis de travail ESC, Elite Significant Contribution, sont proposées aux joueurs qui ne conforment pas aux règles d'obtention de permis de travail conventionnel. On utilise un ESC pour... Merci Joyeux Canesson pour tous les délires et la bonne humeur. Let's go Swansea. C'est Ali la dernière phrase, j'y peux rien. Flavio, merci pour les 7 mois d'abonnement. Bonne année, la santé. Oh putain, ça y est, le prince est arrivé. Content d'avoir recruté un joueur si bon. Un peu inquiet du nombre de joueurs pour évoluer au milieu axial. Ils ont rien compris. Milieu droit. Ailier. Soutien. Il a tellement nous. Swansea. Grimsky l'accueille. Enregistrement dans l'effectif. Alors, on a peut-être un souci là. Bobichon qu'on inscrit. On peut pas l'inscrire. Faut qu'on sorte Dani. Josh Timon, il est blessé combien de temps? De toute façon, Dani, il est blessé d'entre 3 à 5 mois. Donc, on le sort. Et on met Bobichon, quoi. Ah, Dani, il va faire la gueule. Mais bon, Dani, on peut pas t'inscrire pour le moment. On casse pas les couilles. Après, lui, il est moins de 21. On n'est pas obligé de l'inscrire, lui. On n'est pas obligé de l'inscrire. Alors, ils sont où les moins de 21, là, qui nous cassent pas les couilles? Jamal Lowe, on n'est pas obligé de l'inscrire. Josh Key, on n'est pas obligé de l'inscrire. Putain, mais mettez-moi les moins de 21 ensemble, là. Patrick, pas obligé de l'inscrire, pas obligé de l'inscrire. Ok, donc on remet Dani. On est des frères. Voilà. On confirme la sélection, normalement on est bon. J'espère pas avoir fait de conneries. Donner un numéro de maillot. Bobichon, Antonin. Tu auras le numéro 9. Le numéro 12. C'est très bien, le numéro 12. Tu auras le numéro 12. Voilà. Bon bah là, il y a Bobichon qui est là. Hein. Ça sent fort le flop, ce Bobich. Waouh. Le flop, le Bobich. Oh, vous êtes malade quoi. Bobich. Bobich. Ils sont malades, le flop. Les mecs osent dire Bobichon, le flop. Vous n'êtes pas des vrais supporters de Swansea, si je peux me permettre. Patterson, Sina Derby. Ça dégage, inquiet sur le fait d'un... Non mais Patterson, on jouait pas avec lui, donc ça dégage. 400 000 balles, le mec vaut 1 million, il se fout de ma gueule. On l'a mal vendu. Hein. Voilà, ça on s'en fout. On s'en fout. Yam Smith. On s'en fout. Ah ! Lincoln McFadden. 21 ans, anglais. Combien il propose ? Clause de prêt ? Indemnité de prêt ? Attendez. C'est-à-dire que la personne... vous l'achetez ou pas? L'achetez pas, quoi. L'achetez pas la personne. Il est là jusqu'à quand, lui? Putain. Bon, on le prête 6 mois et après, il dégage gratuit, quoi. De toute façon, il valait rien. Allez, on le prête 6 mois, il dégage. Demande de prêt pour Patrick! Mon client est vaguement intéressé. À Plymouth! À Portsmouth! Mais ils sont malades! Ils sont fous, ces mecs! Pas de prêt possible. Oh. Transfert. Mais ils sont malades ou quoi? Ils veulent acheter Patrick. Ils sont fous ces mecs. Ça dégage. J'ai discuté avec Paul McGuinness. Qui a fait quelques commentaires intéressants sur Patrick. En progression. Fait partie des... Mais il ne fait que de progresser. Il ne fait que de progresser Patrick. C'est une bebon Patrick. Ils sont fous ces mecs. Après avoir travaillé dur à l'entraînement, Andrew Fisher n'a plus de problème pour jouer en évitant son mauvais pied. Tu m'étonnes, le gardien est nul. Patrick, c'est Benka Bango, ça progresse aussi. Estime que l'entraînement individuel qui lui a été assigné ne lui apporte rien.
Je vais pas te mentir que t'es nul à chier, donc si, ça va t'apporter quelque chose. Mais ça, j'ai jamais compris, tu sais, à chaque fois, genre, les programmes individuels qui... Au revoir, Patrick le nul, putain, t'es gâté, t'es horrible. Salut, Delrem. Bobichon, je l'ai eu comme prof d'allemand. Dur. Je suis pas Patrick. Ok, François Trio, j'ai la ref. On n'achète pas Patrick, c'est Patrick qui nous achète avec son cœur. Bien sûr. Ils sont fous, les mecs, ils veulent prendre Patrick. Ils sont malades, ces gens. Flavio, merci pour les 7 mois, si je te l'ai déjà dit. Mais merci encore. Tu sais, ça, j'ai jamais compris pourquoi à chaque fois, t'assignes un gars dans lequel il est nul, le mec est jeune, tu vois, il va progresser, mais non, ça suffit pas, quoi. Moi, Benkabango, j'ai besoin qu'il progresse. Est-ce qu'il peut bosser son mauvais pied ou pas? Il tente davantage de gris-gris? Non. Afin qu'il tente d'enchaîner les dreams? Non. Afin qu'il... Non. Il y a pas un truc genre, il peut bosser son mauvais pied? T'as du budget pour janvier ou ça va manger de l'eau? Ah bah attends, on est à Swansea, hein, faut quand même... Quand même y aller mollo, hein. J'ai du budget qu'elle me demande. J'ai du budget, bah bien sûr. J'ai un budget de fou, après je peux récupérer de l'oseille ici. Non mais attends, il y a un effectif, il y a quand même des joueurs à vendre. Non, faut pas déconner, tu vois, montant des transferts à un moment donné. Bon lui, c'est pas un mec de chez moi. Josh Key, il est sur la liste des transferts quand même. À sa demande. Est-ce que Josh Key... Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par Josh Key? Josh Key, il joue un peu, tu vois, mais bon, bref. Philippe Lissam. Philippe 19 ans. À 19 ans, ça dégage, hein. Commence par... Voilà, Vitali, hein. Philippe, ça dégage. Ben Lloyd. Ben Lloyd, 18 ans, à un moment donné, il faut se barrer, Ben Lloyd, hein. Ben Lloyd, faut penser à se barrer. Pays de Galles, c'est l'avenir. En vrai, il est pas si nul. On n'a pas le temps d'avoir des joueurs nuls. Voilà, faut penser à partir, messieurs. Faut que vous pensiez à partir. Putain, Jamal Lowe, faut vraiment annuler son prêt, quoi. On peut pas annuler son prêt? Putain, c'est de la merde, quoi. Oh, mettre un terme au prêt. Bien sûr, souhaitez-vous vraiment résilier? Oui? Jamal... Oui! Oui! Putain, 126 patates qui nous prenaient, ce bâtard! Bachir Humphrey, mettre un terme au prêt. Ça dégage! Ça dégage! Les mecs, là, qui nous prêtent des joueurs dont on se carre. Josh Guinelli. Josh Guinelli, faut penser à partir, monsieur. Faut penser à partir, hein. Faut y aller, là. Faut se barrer, monsieur. Yamwolf, donc c'est fait. Harry Jones, 20 ans. Faut penser à partir, vous aussi, monsieur. Faites comme vous voulez, mais cassez-vous, quoi. Faut... Tu sais, j'essaie de récupérer du salaire. Jacob Cook, 17 ans. On va lui laisser une petite chance. Harry Jones, on vient de le dire. Faut que ça dégage, quoi. Les Anglais doivent partir. On est au courant, mais laissez-moi jouer avec 2-3 Anglais, quand même. Là, Kyle Nocton, donc là c'est parti. Ok, on fera le bilan plus tard. Ok, équipe première. Les Anglais vont partir, chaque chose en son temps. Charlie Patino, je suis à deux doigts de le rendre, Charlie Patino, mais bon, il est dans la rota. Karl Rochefort, par contre, on l'aime bien. Arishan HB, on l'aime bien. Ok, bon là c'est pas mal déjà. Donc Beta, c'est très bien. Il est mécontent du nombre de séances élevées. Eh ben, nique ta mère. T'es venu ici pour bosser, t'es pas venu ici pour te branler les couilles. Jamal Lowe, ça dégage. Oh là là, l'économie de 126 000 balles, mon gars. Oh putain, je revis. Oh, vous allez voir les salaires, fin du prêt. Oh là là. Pour l'entraînement des mauvais pieds, tu l'as dans progrès et en dessous et au-dessous d'intensité. Ah. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Là, c'est des économies. Hein. Là, c'est des économies et c'est pas négligeable. Hein. Oh là, vous allez voir au niveau des transferts. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Budget salarial. Oh là 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 là. Le bonheur. Le bonheur. Off négocié. Brandon Cooper, ça dégage. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Enregistrement de l'effectif, Josh Key. C'est quoi le problème? Ah oui, il a 24 ans.
putain, je me suis planté. Ah putain, je me suis planté. Ah, c'était pas clair. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'était pas clair. Ah ouais, non, c'était pas clair. Ok, on est bon. Bah là, on est bon, là. On est bon, on a tous nos gars. Comme ça, on peut prendre deux gars en plus. Ah, je m'étais planté, je me suis planté, je me suis planté. C'est la bêta jusqu'à 17h, ouais. Toi aussi, c'est comme le Barça, mais pas en Espagne. Exactement. Discours du coach. Pour la nouvelle année, on a besoin de sous, donc vous allez tous dégager. Non, c'est pas l'idée, mais... C'est vrai qu'on a besoin de sous, donc il y en a qui dégagent, tu vois. Il y en a qui dégagent. Josh Guidoli. Je tiens à vous prévenir que Josh Guidoli ne semblait pas lui-même actuellement. Et les choses le préoccupent. Je pense qu'il craint de ne pas être inclus dans le groupe. Mais c'est pas qu'il craint de ne pas être inclus dans le groupe. À un moment donné, vous n'avez pas compris. Pas utile à l'équipe. Voilà. Pas utile. Voilà, il dégage, en fait. Il dégage. Vous avez décidé ? Non. Je vais vous proposer à des clubs. Voilà. Voilà, il est motivé, ça dégage. Josh, pense à dégager. Voilà, pense à dégager, Josh. Josh, mon gars, nous, on est pour te vendre. Hein. On est pour te vendre, Josh. Josh, ça dégage. C'est ça qu'il faut que je fasse. Peut-être vendre la cause de Randon. Non, on va récupérer l'oseille. On va récupérer de l'oseille. Oh là 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 là. Oh, les supporters sont comme des dingues. Les dirigeants, un peu moins, quand même. Attendez. C'est vrai qu'il faut que je pense à faire ça. Les mecs qui sont là, qui me coûtent un fric fou. Kyle Nocton. Bon, Josh Key. Bon, Josh Key, c'est mauvais exemple. Josh Key. Effectif. Dispo pour les 21. Pas dispo. Voilà. Voilà. Arrêtez avec ça. Voilà. Liam Walsh. Bon, Liam Walsh, on a dit que ça dégageait. Donc, Liam Walsh, pas utile à l'équipe, ça dégage. Faut que tu penses à dégager. Josh Guinée, c'est fait. Harry Jones. Pas utile à l'équipe, mec. Pas utile à l'équipe, ça dégage. Voilà, pense-y. Pense-y, faut que ça fasse un petit chemin dans ta tête. Philippe Licha, 19 ans, anglais, pas utile. Voilà, jeune espoir, non, pas utile à l'équipe. Ça dégage. Voilà, dégage, pense à dégager. C'est important de leur dire de dégager quand ils sont nuls. On n'a pas le temps d'avoir des nuls. Surtout des anglais. Ok, ça c'est réglé. C'est réglé. On a réglé le problème. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi ton problème ? J'ai entendu dire que vous ne me considérez plus comme un grand espoir sur le point de percer. Ah, je veux que tu dégages. D'accord, mais comment je lui dis de se barrer en fait ? Vous n'êtes pas en grande forme, j'ai essayé d'effectuer des changements, vous n'êtes pas... Non, mais désolé, mais je ne trouve pas que ce soit justifié. Putain, il commence à me faire chier. Oh putain, mais dégage, mec, dégage. Prends ton envol. Prends ton envol. 15 joueurs dans le club, c'est encore beaucoup, je trouve. Il y a trop de joueurs en ce club, c'est vrai. Non, mais là, on est bien. Là, on est bien. Maintenant, on va s'occuper un petit peu quand même des... Faut qu'on s'occupe un tout petit peu quand même des... Des propas, tu vois, gardien titulaire, d'accord. Titulaire régulier, on est d'accord. Josh Timon, joueur important, tu vois, on s'est trompé. Titulaire régulier, voilà. Nathan Wood, titulaire régulier, d'accord. Joueur vedette pour Jerry Yett, normal. Titulaire régulier. Ah, il faut baisser un petit peu de Joe Allen, t'es un peu moins dans les petits papiers, tu le sais, t'as vieilli. Harrison Ashby, pas utile à l'équipe. Ah ouais, ça, c'est dur. Moi, j'avoue, c'est dur. Je vais pas te mentir, c'est dur. Mais après, on s'en bat les couilles, hein, après. Joueur de rota, il le sait, il est dans la rota. Joueur de rota pour Bobichon, t'inquiète pas que... T'inquiète, mon gars, tu vas être peut-être un peu plus. Ben Kabango, titulaire régulier, joueur important. C'est peut-être un peu trompé. On va lui parler, on va lui parler. On va lui parler, peut-être qu'on peut le convaincre. Je pense pas que vous soyez tout à fait prêt à jouer autant...
C'est pourquoi j'ai effectué le changement. C'est une décision que j'ai prise pour des raisons tactiques. J'ai décidé d'effectuer le changement car vous n'êtes pas assez souvent disponible pour jouer. Je compte malheureusement plus sur vous. Non. Vous continuerez à jouer régulièrement. Vous n'avez donc aucune raison à vous inquiéter de ce que... Ce n'est qu'un changement de statut. Je pense qu'il va pas kiffer ça. Oh ! Oh, c'est bon. Putain, Ben Cabango, t'es un frère. T'es un frère, t'es une tante. T'es une tante, t'es une sœur. T'es une sœur, t'es une mère. Ensuite, super sub, Olivier Cooper. Ah ouais, non, mais ouais, forcément, joueur de rota. Voilà, joueur de rotation, on casse pas les couilles. Super sub, c'est un peu dur, mais joueur de rotation, il comprendra. En vrai, super sub, hein. Voilà, comme ça, il casse pas les couilles. En fait, c'est important d'ajuster les attentes des joueurs. Joueur important, titulaire régulier. Ah là, malheureusement, mon gars... Là, malheureusement, mon Danny... Ouais. Harry Darling. Joueur important, titulaire régulier. C'est nickel, ça. Ça, c'est nickel. Quand c'est dans ce sens-là, c'est superbe. Andrew Fisher. Remplaçant, remplaçant. Jeff Hulton. Joueur secondaire. Ah ouais, non, ouais, forcément, ouais, il ne s'attend pas à ça. Mais super sub, tu vois. Il va moins nous casser les couilles. Matt Grimes, joueur vedette, ouais, tu m'étonnes, il nous prend l'oseille. Mohamed Dani, titulaire régulier. Josh Key, super sub, joueur important, ouais, il y a eu un problème. Voilà, super sub pour Josh Key. Nikolai, joueur important, putain, Nikolai, c'est la vie. Joueur de rota. Alfred, joueur de rota. Joueur secondaire, joueur de rota. Ah, il aime pas trop. Super sub. Et super sub, on va le faire jouer un tout petit peu plus. Faut vraiment se rapprocher pour pas qu'il nous casse les couilles. Nicolas, bien sûr, l'amour. Bonjour le chat, salut Staol. Écoute, on n'a pas encore fait le premier match, mais là, on a juste des trucs hyper importants, à savoir que les mecs soient mentalement bien. Patrick, joueur de rotation, jeune espoir sur le point de percer. On va pas toucher. Il est ravi de son temps de jeu. On va pas toucher, Patrick, c'est le sang. Christian Pedersen, joueur important. Et on a fait ça. On a tout bien mis. Ok, on est bon. On est bon. Match important. Pourquoi ? Parce que on va jouer contre un ventre mou à domicile. On se doit de stabiliser notre sixième place. Devant, ils sont quand même un petit peu échappés. 5 points, c'est compliqué. Mais par contre, derrière, dans le rétroviseur, on a Plymouth, on a Leicester, on a Bristol. Attention. Il faut qu'on perce le plafond, putain. Plymouth reçoit Watford. Donc autant te dire que Plymouth, ils vont pas laisser passer 3 points. Là, il y a un bon match entre Norwich et Southampton. On peut peut-être revenir sur Norwich. Middlesbrough va ouvrir en 2 Coventry. Leeds va ouvrir en... Oh, Leeds-Birmingham, c'est aussi intéressant, tu vois. Leeds et Norwich, ils peuvent perdre des points. On peut revenir sur eux. Bristol, ça joue Millwall, ça va prendre des points. Ils sont où les autres cons de Leicester ? Ils ont pas joué. Ils ont joué ? Non. Ils ont pas joué. Bon, Leicester, on sait pas. Ça joue pas encore. Et Bristol, ça joue quoi ? Ça joue Millwall, donc. Bristol va gagner, Plymouth va gagner. Leicester, on n'a pas d'infos. Leeds et Norwich vont peut-être... Donc, on doit absolument remporter ce match. We need to win the game. The game to win the game against the no. You know ? Alors, là, par contre, on va mettre la grosse équipe. Qui dit grosse équipe, dit forcément gros joueur. Qui dit gros joueur, dit plaisir. Donc, Tijanon, Pedersen, Harry Darling, il est là. Kabengo, on le met là. Ici, on va Alfred. Il y a la joue peu, mais c'est pas grave. HB, Mohamed Dani. Qui on va mettre Antonin Bobichon pour sa première. Oh, la première de Bobich. C'est la première de Bobich. Et là, on met bien évidemment Nikolai. C'est la première de Bobich. Oh putain. Oh putain, la première de Bobich. Est-ce qu'on a assez de remplaçants ? À droite, on a Liam Cullen là, mais à droite, sinon, il nous faut peut-être un Josh, quoi. Ah non, on a Harrison HB. On a HB qui peut jouer, et à gauche, il nous faut un Gbeta. Il nous faut Gbeta. Joe Allen, il peut jouer à la place de Grimes en milieu récupérateur. Olivier Cooper, il peut jouer à la place de Patrick, mais comme Patinho. En vrai, Olivier Cooper, il nous sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Plutôt Jeff Hulton ou Joe Allen. Et Joe Allen, il commence à être un peu faiblard quand même. Hein. Il commence à être un peu faiblard. Voilà l'équipe.
Voilà l'équipe. Swansea. J'avais oublié Bobichon, le nouveau Zidane. Bobichon est là. Premier match de Bobich, putain. Premier match de Bobich. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir Bobich. Je sais pas si vous avez hâte de voir Bobichon sur une échelle de 1 à 10. À combien vous êtes excité de voir Bobich? Sur une échelle de 1 à 10. Grosse pression, grosse pression. 0, 5, 8, 12 sur 10. 11 sur 10. Ah ouais, c'est normal, c'est normal. C'est Bobich. C'est Bobich. Les copains, les copains. Alors, on est dans le vestiaire. Vous connaissez on est le championnat, vous savez le classement. On est actuellement 6e. 6e, c'est bien, c'est l'objectif. On veut être barragiste. On veut, à un moment donné, avoir une chance. Juste une chance. Rien qu'une toute petite chance de se qualifier pour la Première Ligue. La Première Ligue, c'est de l'oseille. 30% d'augmentation de salaire pour tout le monde. Vous le savez. Je le sais. Vous le savez. La thune. La thune, la thune, la thune. Mais avant de penser thune, il faut penser football. Et à un moment donné, là, c'est West Bromwich Albion à domicile. À domicile, c'est des victoires. West Bromwich Albion, c'est quoi? C'est ventre mou. Ventre mou, c'est de la merde. Ils viennent, ils en prennent 3, ils repartent. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut les respecter. On les respecte et on leur crache à la gueule. D'abord, on les respecte, mais ensuite, on leur crache à la gueule. Merci. C'est important quand même. C'est important. Voilà. Donc les mecs, c'est la première de Bobich. Tout le monde est motivé. C'est la première de Bobich. Moi, je veux qu'on soit solidaire. Je veux qu'on montre à Bobich la folie que c'est. Et comment on lui montre la folie que c'est? Avec l'ambiance. By the sea. Where I will follow one day. Swansea City, where I will follow Swansea. Swansea City. Hey, coup d'envoi. Allez, c'est parti, c'est la première de Bobich. Qui ne saute pas, ne saute pas. Allez, Bobichon, tout de suite, la prise de balle, la première prise de balle de Bobich. Oh, oh, c'est déjà danger, c'est déjà danger. La première prise de balle de Bobich, c'est danger. Oh, c'est, alors là, là, vraiment, je ne rêvais pas un meilleur début. Bon, il ne voit pas le ballon. Il n'utilise pas la balle. Quelle ambiance. Belle ambiance. Allez, récupération. Bobichon. Bobichon. Oh, ça joue directement sur Mohamed Hani. Mohamed Hani, peut-être qui peut centrer sur Nicolai. Mohamed Hani qui va centrer sur Nicolai. Oh, c'était sur Jerry Yet. On a des belles occasions pour démarrer. Hein. Salut, Kale. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde. Et Bobichon, ça passe sur son aile, hein, c'est pas surprenant. Bobichon qui est là pour, entre guillemets, nous faire oublier Dani la déconne. Nicolai. Bon, NDI, Alfred, toujours un petit carton jaune d'entrée, ça fait plaisir, Bobichon. Hein. Bobichon qui crée le problème. Nicolai, la récupération peut-être. Il lui faut une demi-occasion, Nicolai. Un ballon qui traîne devant lui, c'est un pointu. Un pointu plein de Lulu. Mets-moi le pointu, mets-moi dans la Lulu. Pression de Bobichon, pression de Patrick, énorme erreur de la défense. Quel but, quel but. Swansea City. Allez, Pedersen qui rentre, Pedersen qui pénètre. Est-ce qu'on a changé les tireurs de corner? Est-ce qu'on a mis Bobichon? Eh oui. Est-ce qu'on a mis Bobichon? Tireur de corner, Bobichon. Très bien. Très bien. Très bien. Bobichon. Très bien. Tireur de coup franc. Coup franc à distance de tir. Bobichon et Patrick. Nickel. Bobichon, Patrick. Nickel. Matt Grimes. Bobichon. Normal. Grimes, Bobichon, normal. Ok, c'est validé, superbe. C'est bon les gars, vous pouvez fumer. Inzaghi l'aurait renié ce but. N'aurait pas renié ce but, tu m'étonnes. Mets-moi les pointus dans la lune. Mets-moi du pointu dans la lune. Oh Bobichon, regardez-moi ça, cette volonté. Bobichon peut-être sur la récup, Bobichon sur Dieng. Bobichon qui lâche pas. Bien Bobichon.
Et ça permet à Darling de récupérer. Patrick également qui est en soutien. Mohamed Hani entre les lignes dans la zone, bien sûr, la demi-centre. Du demi-centre, Tijan, peut-être le centre. Ils ont failli se le prendre. Sur un centre très filou de Tijan. Pedersen, tel un serpent. On est autour de leur cou là, tel un piton. On resserre la pression. Mohamed Hani peut-être sur Grims. Grims qui joue sur Mikola, attaquant complet. Il s'appuie sur Harry Darling peut-être qui peut centrer. Harry Darling qui la met sur Mikola dans la surface. Qui va jouer sur Bobichon, le centre peut-être sa première passe. Enfin, il a déjà un jaune. Il a pris un jaune, mais vraiment à la seconde 3, quoi. Il a pris un jaune d'entrée, mais genre d'entrée, vraiment d'entrée, quoi. Bobichon, encore lui. Bobichon sur Pedersen, Eldiaï, Alfred. Mohamed Hani peut-être une frappe lourde. Mohamed Hani qui s'excentre un petit peu. Il s'excentre pour centrer. Il s'excentre un petit peu. Va-t-il la remettre sur... Oh, il la glisse sur Nicola. Au japonais, ça gagne. Écoute, 1-0. On joue West Brom. West Brom, c'est censé être de la merde quand même. Leeds qui mène 1-0. Fait chier. Middlesbrough qui gagne. Nous, on est bien pour le moment. Harry Darling a pris un jaune. On a nos deux centraux qui ont pris des jaunes. On est en contrôle. Récupération de Gerriette, Pedersen, Patrick qui est très utile, hein, vraiment le leader technique. Oh, Grims qui perd un ballon facile, Grims qui nous coûte 120. Ouais, c'est Patrick qui est là. Ok, l'arrêt de Rochefort qui est. Il a tiré fort le mec alors. Hein. Il a. C'est en rouge, quoi. Possible blessure au bras. Je te jure que s'il s'est fracturé le bras, ce con. S'il s'est fracturé le bras, j'ai envie de péter un câble. On fait rentrer Andrew Fisher. Vous allez voir le visage d'Andrew Fisher. Bon, c'est pas... Il a la tête d'un gardien anglais. Donc, qui dit gardien anglais, dit pas gardien... Après, il a arrêté deux pénaltys depuis qu'on est là. Putain, ça sent la mauvaise blessure, ça. Ça sent la mauvaise blessure... C'est dommage. On a une défense centrale un petit peu emmerdée. Bon, je crois en toi. Il s'en bat les couilles. Putain, il s'en bat les couilles. Je lui dis, je crois en toi. Alors, après, peut-être qu'il a entendu ce que je vous ai dit là. Donc, il sait que je... C'est l'heure de Ali Amada. On n'a pas pris un but sur corner, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on prend un but sur corner. Hein. Ouais, c'est Thompson. Voilà, Gerriette, superbe. Hein. Superbe la solidarité dans cette équipe de Swansea. Ça joue sur Mohamed Hani. Allez les gars, allez. En plus c'est en rouge, hein. C'est en rouge. Possible blessure au pied. Il vient d'arriver. Bobichon, tu étais la recrue phare de ce mercato. Tu auras joué 42 minutes. 42 minutes à nous régaler, 42 minutes de football, 42 minutes de plaisir. Bobichon, tu vas nous manquer. Et c'est vrai que certains vont juger l'investissement pas bon. Bobichon, on t'aime. J'espère que c'est pas trop grave. J'espère que tu reviendras fort. Bobichon. Salut l'artiste. Putain, mais protégez les artistes. Bien, merci. Écoutez, des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. Pas mal de bas. Que des bas. Que des bas, même. Allez, Liam Cullen. J'attends voilà, une grosse putain. Ah, c'est chiant, en vrai. J'ai encore plus les boules. Et après demain, j'ai encore plus les boules. En vrai, là, deux grosses blessures coup sur coup, ça fait un peu chier, quand même. Les gens comme nous n'ont pas le droit au bonheur. Attends, c'est terrible. Il manquerait plus qu'une dinguerie de Fisher et là, on est bon, quoi. Allez, allons chercher un deuxième but pour Bobichon. Oh, la perte de balle, c'est pas une bonne idée. Ok, récupération. Oh, le contrôle porte-manteau, là, délicieux. Yam Kulen pour Nicolas. Mikolaj qui provoque. Mikolaj qui peut la glisser. Mikolaj prend. Bobichon l'aurait mise. Et Yet est fatigué aussi. Mais attends, mais c'est quoi cette dinguerie?
C'est le mercato le bon moment. Ouais, mais fait chier quand même, on a plus d'oseille nous. Tijon, Yet, Tijon. Oh, le 1-2, il est délicieux. Ça remet sur Jerry Yet. Patrick, peut-être, ça viendra de toi. La passe est pas bien appuyé. Mohamed Ani, ça joue un peu trop derrière. L'équipe est un peu trop coupée en deux. Grims, Yam Kulen, la rédemption. Dommage. Besoin d'un joker médical, un besoin de médecin. Jerry Yet. Par de base, c'était pas une bonne idée. L'impression que quelle que soit l'année du le jeu te nerf, avec tes meilleurs joueurs, on n'oubliera pas Brandur. Brandur qui avait pris une blessure honteuse. Patrick sur le deuxième poteau. Je sais pas si on marque trop en deuxième poteau. Hein. C'est la mi-temps, mais c'est pour le moment une victoire à la Pyrrhus. On a eu tellement de pertes graves. 40e Rushworth, 43e Bobichon, c'est des moments hyper durs. J'ai envie de revoir l'action quand même pour voir si le... Ah, c'est grave. Ça a l'air grave. Putain, il s'est fait ça tout seul, ce con. Putain, il y avait un vice de procédure dans la... Il a vraiment passé la visite médicale, Antonin ? On a le compte-rendu de la visite médicale ? Putain, mec, je te jure que s'il s'est fait le tendon d'Achille, j'ai envie de crever. Peut-être la visite médicale, il y a eu un souci, non ? Bon, le problème, c'est qu'on a Jerry Yet qui est crevé. Les gars, là, je vous dis juste que c'est bien. Vous dominez. Voilà, vous dominez, c'est très bien. En termes de tactique, pour le moment, on va débuter avec les mêmes gars. Avec Jerry, il est crevé, quoi. Jerry, il est crevé, c'est le problème. Préserve Patrick. C'est vrai que si, alors, si Patrick tombe, vraiment, je pète un câble. Mais là, deux blessés qui donc me consomment deux changements. Je peux plus me permettre de... Tu vois, si je fais un autre changement, il faut que j'en change trois d'un coup, quoi. Donc Jerry, va falloir qu'il serre les dents, mais... Parce que là, je peux plus me permettre de faire des changements. Tu vois, il me reste plus qu'un seul, un seul arrêt de changement. Bon, Jerry, il est crevé, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et toi, en soutien... Toi, en soutien. Là, le reste, ça va. Semblait nerveux, bon, d'accord. Comprend car il est blessé, mais à tout sourire. Je suis blessé, c'est normal, je suis blessé, y a pas de problème. Ah, j'ai plus qu'une fenêtre de remplacement, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est compliqué quoi. Faut aller chercher le deuxième but. J'espère qu'on va réussir à aller chercher ce deuxième but quoi. Parce que 1-0 c'est léger. Après là pour le moment, apparemment tout le monde s'en branle. 60e minute de jeu, tout le monde s'en branle. J'aime l'esprit. Bon là on peut faire des changements, on a des joueurs complètement cuits. Bon là on a des joueurs cuitasses. On va mettre Cooper. On a besoin de Cooper. Cooper, t'es fort dans quoi ? Milieu récupérateur, c'est pas ça. 9 et demi attaquant. Voilà. On va t'offrir ça. 9 et demi attaquant, on aime bien. Vas-y. Voilà. Là, t'es pas loin. T'es pas loin du buteur. Attends, tu sais quoi ? On va laisser Patrick milieu. Non, attends, on va te mettre là. Et on va le mettre là. Voilà, il y a une cohérence. Ensuite, on a des mecs fatigués. Nathan, il est fatigué, on n'a rien pour le remplacer. Il n'avait pas prévu que tout le monde se pète. Bon, eux, ils ont des jaunes, j'aimerais bien les remplacer, mais... On va mettre Pedersen. Là, on met Ogbeta. Et on fait un dernier changement. Grims, il est crevé, on va mettre Jeffultong. Grims qui avait des pertes de balles. Allez, les gars, faut garder le résultat. Ils s'en battent les couilles, putain ! Les mecs, je leur fous une chance de jouer pour Swansea ! Ils s'en foutent ! Si Patrick se blesse, tu peux faire un coup de prise. Quoi ? Ah ouais, de multiprise. Allez, récupération de Darling. Darling, sur Patrick. Patrick, tu peux lancer. Patrick, il lance Jerry Yet. Ah, Jerry Yet, le contrôle est infâme. Infâme, le contrôle de Jerry. Immonde. Nul. Attention, du coup. Et ça va dans la zone de Patrick. Patrick qui a mis la pression. Liam Kulen, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à la rédemption de Liam Kulen. J'ai envie de croire. Oh ouais, Mohamed Ani, super recru. Hein. Patrick Liam, s'il te plaît, cadre, Liam, please, cadre, please.
Casse les couilles, Yam, il casse les couilles. Patrick se blesse. Ouais, ouais. Chériette, un gros sac à dos devant lui. Il tient un sac à dos, c'est tout. Cooper, 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 Olivier, Fulton. Voilà l'entrée. L'entrée. Le cochon. Le die, die, bien sûr. Oh, I will follow Swansea, Swansea City. Where I will follow Swansea, Swansea City. Where I will follow Swansea, Swansea City. Oh putain, le sofa de luxe, le futon. Et Leeds, Leeds qui mène 2-1. Allez, allez, pourquoi pas le troisième. Le troisième, la Pedersen. Pedersen, il nous fait du bien dans l'équipe aussi. Je suis très heureux d'avoir Pedersen. Fulton. 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 Patrick. Patoche. Patoche. Oh, la frappe bien placée dans la Lulu, là. Patrick, ça progresse. Hein. Allez, corner. Premier poteau. Harry Darling, vous connaissez. Vous connaissez Harry Darling. Vous le connaissez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Imagine, genre, le mec, il te met un moment clé au moment où tu prends un sale but. Olivier Cooper. Olivier Cooper, il se fait plaisir. Hein. Olivier, il avait envie de jouer. Il avait bien envie de jouer, Olivier. Je suis très content du choix, là. Olivier, Nicolas. Nicolas, Liam. Le 1-2, il est parfait. Nicolas, il le contrôle, peut-être la frappe. Non. J'ai l'impression que Nicolas est vraiment notre Ukrainien devant. Il ne sait faire que des pointus. Patrick, ça progresse. Fulton, le doublé. Oh là là, mais tous les mecs qui rentrent vont mettre des billes, des bangers. La puissance. La puissance. Jeff Fulton, il rentre. C'est un but, une passe D. Oh là là, le cachou. Oh le cachou. Oh le cachou du délice. Ogbeta, Ogbeta. Doucement. Une pensée pour la bobiche qui passe des examens. Vraiment. Ça, c'est pour Bobichon qu'on le fait, ça. Ça, c'est pour Bobichon. C'est pour montrer qu'on est un groupe, on est unis. Et même si Bobichon nous manque, eh ben, on tient le coup. J'espère que Bobichon, c'est pas grave, mais c'est vrai que blessure rouge qui oblige le joueur de se barrer. Ogbeta encore. Ogbeta, il a envie de jouer ou quoi? Ogbeta, il nous met trois puffs, il vient de rentrer, c'est incroyable. Le but de Fischer, quel but de Fischer? Non, il y a Fulton, Ogbeta, il n'y a pas de but de Fischer. Ah oui, d'accord, tu veux... On le fera tirer un pénalty. On n'a jamais pris un but sur corner, c'est pas maintenant. Enfin, ça, c'est pas vraiment un corner, c'est après coup. Oh, les mecs ont de la chatte. Pardon, mais les mecs ont de la chatte. Non, mais les mecs ont de la chatte, je veux dire. C'est pas un vrai corner, là. C'est pas sur le corner même, c'est après le corner. Après le corner, on a déjà pris, ça arrive. C'est après le corner. Trois fois rien. Pas grave, grave, quoi. Pas grave, grave, ce qu'on vient de vivre. Les choses qui arrivent, c'est ok, quoi. C'est pas... Voilà, on va pas en faire des caisses. On va pas en faire tout un fromage. Il y a 3-1, il reste 2 minutes. Tu vois, c'est pas vraiment un corner. Là, sur le corner, bim, c'est dégagé. Tu vois, on avait du monde. C'est après coup. C'est vrai qu'on a personne ici. J'ai jamais compris pourquoi on avait personne à l'entrée de la surface. En fait, le problème, c'est qu'on met des mecs à l'entrée de la surface. On met des mecs à l'entrée de la surface. Mais dès que le corner est tiré, ils rentrent. Donc ça, j'ai pas réussi à trouver la solution. Parce que tous les mecs entrés de surface, ils ont pas compris le concept. Oh, pourquoi pas sur Mohamed Hani. Mohamed Hani, très bon match. Hein. Yam, il y a un vrai problème, mec. C'est fou. C'est fou de rater autant le cadre. T'es quoi tes pieds? T'as les deux, putain, mec. Ok, ton pied gauche, c'est le pied fort. Mais mec, ça se voit pas. Ça ne se voit pas, Liam. On se pose des questions avec ta mère. A-t-il vraiment deux pieds? Bon, en tout cas, ça va être une victoire. Ça va être une victoire, j'espère, avec un maximum de goal average. Si on peut mettre un quatrième but plutôt que d'en prendre un, ça serait une bonne idée. Formalité s'il n'y avait pas les blessures. Évidemment. Évidemment, c'est une formalité. C'est une formalité. Trois frappes, zéro cadré. Liam, bon, après, voilà, c'est pas son poste. Fischer, super. Ça fait plaisir. Peut-être un ophtalmo. Ah, ça va être une victoire, messieurs dames. Ça va être une victoire.
Regardez, le coach est heureux, en short toujours. Nicolas but, Cooper magnifique. Grims très bon match, Fulton très bonne rentrée, Darling toujours parfait. Ogbeta très très bonne rentrée, Mohamed Ani match de prince, c'est le meilleur joueur. Bobichon est énorme. Match dominé de la tête et des épaules par Swansea. T'as dit sur les blessures. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures. Alors qu'on est au bord du stade, on a déjà les premières questions des journalistes. Bonjour coach, Yuan Gourcuff pour Jean Mormousse Magazine. Tout d'abord, bravo pour la victoire nette et sans conteste. Mais après coup, ne considérez-vous pas le recrutement de la nouvelle kiné comme un prétexte pour simuler une blessure? Peut-être. Peut-être, c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir des kinés extrêmement sexy. Mais ça, c'est... Enfin, c'est... Nous, on les recrute vraiment sur leurs compétences. Après, c'est vrai que le fait qu'elle soit sexy, bah, c'est un plus quoi pour les joueurs, ils aiment bien. Puis elles, les joueuses aiment bien, enfin les kinés aiment bien aussi. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des relations extra-professionnelles. Après, ça a toujours fonctionné dans un esprit de corps et de groupe. Merci beaucoup. Nolan Rouflaken, merci pour les 30 mois. 30 mois, putain. T'es sûr que c'est l'hymne de Swansea? C'est incroyable. Hein. Bon, Bobichon prend combien? Là, il y a plein de trucs à voir. Les résultats, déjà. Les résultats. Leeds a gagné, putain. Bristol a gagné. Norwich a perdu du terrain. Plymouth a perdu. Oh, les nuls, Plymouth a perdu. Oh, Plymouth a perdu, putain, c'est bon, ça. Ce qui fait qu'on a 3 points d'avance sur Bristol. On a 4 points d'avance sur Plymouth. Eux, ils ont un match en moins. Donc, bon, techniquement, on a 2 points d'avance au moins sur Leicester. Et on revient à 5 points de Norwich, hein. On revoit 5 points de Norwich, 5 points de Middlesbrough. Ce qui est pas mal, hein. On est à... Putain, on a 5 points de tout le monde. Et 6 points de Birmingham et la qualif est direct. 6 points de Birmingham. Est-ce qu'on n'a pas envie... Et le prochain match, c'est contre qui? Je crois que c'est contre Birmingham, justement. Putain, est-ce que l'appétit ne viendrait-il pas en mangeant? Bobichon fait ses débuts, il fait également ses fins. Un grand sentiment de fierté envers Swansea aujourd'hui. Putain, Emily, je suis d'accord avec toi. Pas mal, pas mal. Le match à 6 points. Bien sûr, le match à 6 points contre Birmingham. Bon, là, c'est énorme. 3 à 5 semaines. Putain, je vous déteste. Je vous déteste. 2 à 3 semaines, ça va. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Une entorse, ça va. Une entorse. Une entorse, il a glissé, c'est les terrains gras, il a pas l'habitude. 3 à 5 semaines, c'est chiant, hein. 2 à 3 semaines, ça va. Bobichon fait ses débuts. Ah, Mohamed, franchement, t'es énorme. T'es énorme. On regrette pas de t'avoir pris. Hein. Mohamed Ani, les gars, l'historique, c'est il est venu libre. Hein. Il était en Égypte tranquillement. Et t'as pas des copains, mec, parce que vraiment... T'as pas des collègues, parce que... Attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Attendez, mais ça clignote de partout. Attendez, je vais recruter que des Égyptiens, moi. Hein. Swansea Birmingham. Le Sipunto. Le derby. Attendez, dégagement au point. Non, c'est pas bon. Réflexe. Attendez, mais les joueurs égyptiens, ils sont cheatés ou quoi? Anthony Modeste. Mais non! Mais qu'est-ce qu'il fout là, Anthony Modeste? Mais incroyable! Mais attends, mais Anthony Modeste, incroyable, qu'est-ce qu'il fout en Égypte? Modeste! Tony Modeste, j'adore. Un peu vieux, mais... Karaba, 29 ans. Ashfa, 27 ans. Ah, ils ont des belles cartes, hein, quand même. Hein. Ah, mais il vaut 7 millions, d'accord, ok. Non, il y a des mecs qui valent un peu d'oseille. Il y a des mecs qui valent un peu d'oseille, quand même. La puissance. C'est qu'en vrai... attends, mais Persito, mais quelle rigolade. Alors lui, c'est vraiment appel de balle. C'est un sprinter. Il a de la technique, il a du dribble, il a de l'appel de balle, il a de la vitesse, agilité et accel. Il est juste là, le gars, et de l'inspi. Le mec, il est juste là pour dribbler non-stop et accélérer. Il dribble. Après, faire des passes et tout, c'est aléatoire. Hein. Incroyable. Improbable, les stats du mec. Incroyable.
Attends, mais il y a des mecs pas trop chers là. Attends, je suis surpris quand même. Mais mec, attends, t'es mais. Ils sont craqués sur l'Egypte ou quoi, le scout de l'Egypte Ah non, il y a quand même des joueurs médiocres. C'est incroyable. Ils sont craqués au niveau de l'Egypte. C'est fou. C'est bonne nouvelle, ça. Bon, les mecs nous proposent des joueurs argentins. Il y en a des gratuits. C'est Ousmane Dembélé. Il a fait de son nom une carrière modeste. En vrai, modeste, il est trop fort. FM est tenu par des développeurs égyptiens. Non mais attends, c'est incroyable. On est d'accord que c'est une dinguerie quand même. On va voir ce que mes scouts ont trouvé parce que... Jonathan Varane, c'est le frère ? Mais là, des millions et tout, on n'a pas des millions, nous. On a les gratuits, là. Petit moins de 23. Moi, j'ai mis expérience. Expérience, il y a qui ? Eldar Costa, c'est gratuit. Hein. Eldar Costa, c'est gratuit. Sachant qu'on a perdu Bobichon. Dans un moment très sombre de notre histoire. Ah, c'est pas mal, mais ça fait chier, quoi. Maxime Gonalon, pur. Pas prendre Maxime Gonalon, je veux dire, on se respecte un minimum. Joueur libre. Ah ! Bon, déjà, est-ce qu'il y a des gardiens ? Pas de gardien ? Ruben Roshima. Je suis sûr qu'on peut trouver des pépites. Par contre, comment ça marcherait pour les recrutements égyptiens par rapport au permis de travail ? Bah, je sais pas, Mohamed Ali, apparemment, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'ils soient internationaux ou pas loin. Qu'est-il arrivé à Bobichon ? 42 minutes magnifiques. Il a pris 5-3 semaines de blessure. Donc, en gros, il va rater. Il va donc rater Birmingham, Southampton. Donc, il va rater le match contre les deuxièmes, le match contre les premiers et le match contre les neuvièmes qui sont à notre cul. Voilà. Les trois matchs les plus importants, ils sont maintenant. Et on a perdu Bobichon et notre gardien titulaire. Ça va, vous ? Ça va ? Ça se passe bien ? C'est un vol. C'est honteux. Heureusement qu'il y a des mecs comme Damien Isaac. Oh, ça dégage. Ça dégage. Léa Siliki, on aime bien Léa Siliki, mais c'est non. Phil Sibon, 24 ans, l'avenir devant lui. Phil Sibon, je pense que tu peux le prendre et le vendre direct. Hein. Bon, bah, Amada, il est déjà blessé. Mirko, 24 ans. 18 ans. Attends, mais il y a des mecs, vraiment, ils sont tout jeunes. Costas. Défenseur gauche. On en a déjà beaucoup des défenseurs gauche. À droite, donc Nathan, on l'a vu. José Luis Moreno, défenseur. On a tout ce qu'il faut. Jozo, ça dégage. Bon, bah, on n'a pas de... Ouais. T'as pas grand-chose de bien. Je vais contre toi. Puis comment cette... Bon, écoute, c'est assez désagréable, mais c'est assez classique de la part de FM. Il a pris combien, le gardien ? 5 semaines. Bobichon, joueur de Laval, allergique aux rillettes. Il fuit la région pour se retrouver à Swansea et jouer avec Jerry Yett. Tu m'étonnes qu'il se blesse. Ah, ça dégoûte. Là, on a 3 matchs compliqués quand même. Hein. Matchs compliqués, des blessures en pagaille. Je pense qu'on va lever 2-3 clauses. Hein. 500 000 balles, 900 000 balles, on va être obligé de les prendre. Hein. On récupère tout l'oseille. Ah putain, je suis con. Je viens de racheter les... Qu'est-ce que je suis con, putain. 15% de bénéfice sur son prochain transfert. Comme on le vendra jamais, on s'en fout. Joe Rondon, 320 000, on prend. Harry Darling. 15% pour la démilité. On le vendra jamais. Merde. Ok, donc là, du coup, maintenant, on a de l'oseille. On a 1,2 million de budget transfert. On va aller quand même tartiner un peu le salaire. Voilà, on a 200 000 balles et 1,5 million. La question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est qu'à un moment donné, on a vendu toutes les clauses. Allez, le foot.
La 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 question que je me pose, c'est est-ce qu'on a des joueurs qu'on peut rappeler là ? Il joue. Il est offensif, on s'en fout. Parce que là, en fait, on est un peu léger en termes de. Tu vois, là, j'ai des mecs, mon gars, la condition physique, elle est dramatique. Parce que là, là on est quasiment. On va enchaîner les matchs. C'est vrai que là, on a 4 blessés graves, quoi. Putain, et on a Mikolaj qui doit être au repos, quoi. Là, c'est la merde. Là, c'est ce qu'on appelle plus communément la merde. Ah ça, il y a 4 jours, là. 4 jours de pause. Salut, je sors du boulot. Si je comprends bien, j'arrive lors d'une une jolie série, à part les détails des blessures. En vrai, on est pas mal. On est pas mal. Eldar Costa, libre. Ça peut dépanner. Bah ouais, oui et non, en fait. Olivier Cooper, on préfère éviter de se projeter. Bah super, mec. Fais ce que tu veux, mec. Fais ce que tu veux, apparemment tu casses les couilles, fais ce que tu veux. Voilà, en vrai tu progresses sur plein de trucs, j'aime bien. Attends, on va te féliciter quand même. Monsieur Cooper, vous avez fait une belle rentrée, je tiens à le dire. Ça sert à pour le signaler. Je tiens à vous rappeler que vous avez fait une promesse à Jeff Fulton. Compte sur vous pour la tenir, ça tend à jouer davantage. Ouais. Succès, succès, succès. Jeff Fulton, augmentation correcte du temps de jeu. Bon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Josh Guinelli, vendre le joueur, on espère. Josh Key, vendre le joueur, on espère. Pourquoi est-ce que je peux pas? D'accord. L'agent dit quoi? Ok, bon, on attend alors. D'accord, on attend. Derby, Wertz, on attend, on attend, on attend. Josh Key, bon voilà, je suis pas contre le vendre. On attend aussi. Super. Matt Grimes, on s'attend quoi? Faire jouer les jeunes. Content. Yam Kulen, traiter le joueur de manière plus juste. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais... En gros, faut faire quoi? Voilà, ouais, ton dessus saute. Nathan, on te susote. Patrick, on te susote. Voilà, on susote tout le monde. C'est important de susoter un maximum de personnes. Là, en fait, je sais pas si je me fais prêter un gardien. Ah. Ah, c'est de la merde, quoi. C'est bien, mais c'est de la merde. Je sais pas si je me fais prêter un gardien, si je... Je sais pas, là, je sais pas. Je suis perdu. Enrique Bologna, 41 ans. Merci, mais non merci, quoi, les gars. Arrêtez de me... Envoie-le chez la kiné. Une carrière avec Lens, ça peut être un beau avec la LDC. Oui, bah, je t'invite à le faire, si tu veux. Moi, j'ai déjà joué Lens, je crois, je sais plus quand. Là, on est avec Swansea, mon ami. Mais en effet, oui, Lens, c'est un beau projet. Connais l'heure de la release? 17h, apparemment. 17h. C'est non, hein, putain, il y a que des nazes. Que des nazes. Des nazes. Bon, déjà, les mecs, quand ils proposent des gars de 25 millions, ils vont se faire cuire le cul. Donc, tout ce qui est 25 jusqu'à... Alors, on va dire jusqu'à 4 millions, ça dégage. Ensuite, il y a quoi dans nos prix? Pablo Moreno, espagnol, 21 ans. Ça joue devant un peu? Pas pire, en vrai, hein. Appel de balle, finition, technique sans froid, un peu de vitesse. Il est au 4 tiers. Il joue à Andorre. Non, il est Andorran. Attends, mais faudrait savoir, il joue quoi? Il joue au FC Andorra. Il est régulier. 2,6 millions. Et ta mère, elle vaut 2,6 millions. Il est fou. 2,6 millions, il a rien prouvé de sa vie, le mec. D2 espagnol. Et il est fou. Équipe de D2. Ah, très bien.
2,6 millions, non mais on est où là? Pourquoi pas 12 millions? Pablo Moreno, j'aime bien, mais c'est un peu cher. Eduardo, bon, il est blessé. Brésilien, 26 ans. Je sais que ce logo Slavia Prague, incroyable. Défenseur centraux, j'en ai plein, mec. 1m96, putain, c'est excitant. Il aime pas les gros matchs. Ouais, bon. Ça dégage. Pas intéressé. Peke. Beaucoup d'Espagnols, hein. 21 ans, 2,5 millions encore. Mais merde! Faux neuf. On s'en bat les couilles. Ça dégage. Peke, ça dégage. Pas intéressé. Riquelme, j'aime le nom. Une nouvelle pépite brésilienne. Assez déter. Latéral. Il a la vitesse, l'agilité qu'il faut. Il a un peu d'appel de balle. Il commence sur le placement. Nul. Tac, nul. Marquage nul. Ok, donc toi, comme tout bon Brésilien, c'est un numéro 10 qui veut jamais jouer en défense, quoi. Le cousin de Patrick. Ouais, un peu le cousin de Patrick, mais... Pff. En vrai, il est un cher. Il a une belle carte, hein. Mais... Pff. Le mec défend jamais, quoi. Il a une belle carte, mais le mec défend jamais. Cal Dempsey. La tête, mon gars, c'est un méchant dans James Bond. Ouais, ça dégage, on s'en bat les couilles de Kyle. Voilà, Kyle, ça dégage. Luis Miguel Angulo. Il y a de la vitesse, on aime bien. On n'a pas besoin de ce poste. En plus, en fausse patte. Pas intéressé. Luke Wolfendine. Le blaze. Défenseur, on s'en bat les couilles. On a tout ce qu'il faut en défense. Si c'est défenseur, ça dégage. Hein. Juan Ignacio Nardoni. On va regarder ce qu'il nous propose, tu vois. Il était trop fort dans le 23, d'accord. Regarde pour Chichouba, de quoi tu me parles? Numéro 10 qui joue derrière, mais tous les Brésiliens, c'est ça? Bon, Chichouba, on s'en bat les couilles un peu, en fait. On joue pas avec des joueurs comme ça. Pas intéressé. Bruno Gomes. La fourchette est grande. Bon, bah, ça doit être une petite pépite, 22 ans et tout, très bien. En plus, il peut voyager, il est bien, mais... On s'en bat les couilles, quoi. C'est ok, mais tu vois, on va pas mettre un sachet sur lui, puis on n'a pas besoin. C'est pas un endroit où on a besoin. Jérémy Ngakia. 825 000 balles. C'est à la fois pas mal et à la fois on s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les couilles. Tyrese John Jules. Ah! Il a les deux pieds. Qui ne saute pas, ne saute pas. Et bien sûr. Merci joyeux Canesson pour tous les délires. Putain, et la merde. Bonne humeur. Let's go Swansea. Takamura, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci pour ceux qui sub, merci pour ceux qui balancent leur prime et tout, merci beaucoup. Pépite Lançoise, Chichouba, c'est pour ça qu'il te propose. Ouais mais je m'en fous en fait. En fait je m'en fous des pépites les gars, on a besoin de joueurs maintenant. Vos pépites, jouez avec, pas de problème sur vos games. Nous on veut du résultat tout de suite. Je suis pas en train de faire une game où je suis en train de préparer à... pour dans 10 ans. Tu vois, on s'en bat les couilles en fait. En fait, on s'en fout. Je me demande s'il faut pas que je me fasse prêter un prime donné. C'est un streamer sauvé. Qui ne saute pas, ne saute pas. Et merci joyeux Canesson pour tous les délires joyeux. Et la bonne humeur. Let's go, Swansea. Jazraf, merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup avec ton Prime. XU TV, bienvenue. Bon, il nous faut un gardien. Il nous faut un gardien qui, techniquement... Alors... Il nous faut de la détente. Il nous faut de la com. Il nous faut... du 1 contre 1. Réflexe et prise de balle. Prendre la concentration. Voilà. Y'a qui? Antonio Mirante sur la liste des prêts? Liste des transferts, ils vont rien? Il a quel âge? 40 ans? En vrai, Mirante, il fait le boulot, tu vois. Il est ok dans tout, il a rien de ouf. Pas d'excentricité, on aime bien. Bon, Mirante, c'est pas incroyable, mais tu vois, on est pas... Attends, on a trop. Augmenter, hein.
Ah. Sirigu, jure. Jure, Sirigu. En vrai, Salvatore... Salvatore, 36 ans, c'est le bel âge. Hein. Est-ce qu'il est disponible, genre, maintenant? Il prend combien de salaire? 21. Salut, Poney le vrai. C'est fou de faire ça. Si tu fais le tour des top clubs de Première Ligue, tu serais royal. Ouais, je sais bien, ouais. Bon, Ederson, il doit pas être mauvais. Sirigu, Sirigu, je te dis pas qu'on va, on part à la guerre, mais sauf de près, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Un titulaire, il y en a un numéro. Sirigu aurait besoin d'avoir disputé plus de 30% des matchs avec sa sélection en cours. Casse les couilles. 7000 balles. En vrai, ça me casse les couilles. Ouais, ça me casse les couilles. Bon. Bon, on est baisé. Arsenal, vous avez quoi? Vous avez quoi de... Vous avez quoi de côté? Vous avez quoi de dispo? Gunnar, Alex Runarsson. C'est très bien, ça. Il est déjà prêté? Ramsdale, Tierney, Cédric. T'avais quoi de dispo, les gars? James Hamilton. C'est quoi, ça? 1m77 pour un gardien? Vous foutez de ma gueule? Foutez de ma gueule? David Raya, c'est fou, ce David Raya. Un prime donné, c'est un streamer sauvé. Un prime donné. 1m94, estonien. Merci beaucoup pour le prime. Merci beaucoup, Geoffrey Vaux. T'as un souci de gardien? Mec, mon gardien s'est blessé. C'est trop, je prends. Après, en vrai, on s'en fout. On va y aller avec ce qu'on a, mais... ça fait chier, quoi. C'est dommage. Loris, c'est ton prêt, normalement. À voir si c'est possible financièrement. Parce qu'à la fin de saison, Hugo Loris, c'est compliqué. Hein. Sacré Hugo, la déconne, mais... Hugo, son salaire, c'est 600 patates. On peut prendre 60 000 balles. Ah. C'est mon ultime bafouille. Ah, 550 000 balles par... Bien sûr. Le coût total du prêt, c'est d'avoir 3 millions 6. Bah non. Voilà, passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Derrière est-il libre? Yann Walsh. De toute façon, je m'en bats les couilles. Yamouche, il en... jusqu'à combien de temps? On le prête et puis après, il partira libre. Tant pis, de toute façon, on ne fera pas d'oseille. On l'a dans le cul. Ben Lloyd, 18 ans. On parle d'un achat. On parle d'un achat pour cette pépite galloise. Pourcentage du profit à la revente, 40%, c'est très bien. Oui, bon, bah ça fait 500 000 balles. Allez, ça part. Hein. Ça part, on a besoin d'oseille de toute manière. Ben Lloyd. Attendez, les gars, il me faut au moins 500. Pourcentage sur la prochaine vente, 25%. Voilà, ça, c'est non négociable. Ouais, forcément, vous le voulez pas, en fait, vraiment, le joueur. Vous voulez pas le joueur? Voilà, ça, c'est des mecs qui veulent pas mes joueurs. Je peux m'intéresser. Voilà. Kinelli, mind ton cul de trouver un nouveau club. Et Jones, voilà. Voilà. Ferme-la. Voilà. Voilà. Superbe. Après avoir discuté avec Cameron Congreve, je crois savoir qu'il est déçu de ne pas avoir atteint son objectif de moyenne de 6.8 en match. Il a fait combien? 6.7. Ah ouais, c'est ballot. Mais j'estime que vous avez tout de même montré suffisamment. Je sais que vous n'avez pas atteint l'objectif, mais continuez à travailler dur. Voilà, continue à bosser, mon con. Tu n'avais pas un jeune gardien potable au début? Non, ouais, en vrai, j'en ai un autre. On va le faire avec, c'est pas grave, on va aller jouer Sheffield. Troisième tour de la Cup.
En vrai, on va faire... Josh qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une grippe ? Casse tes couilles, putain de merde. Soin à domicile. Non mais là, ça casse les couilles, là. Ça commence à se remplir un peu. En fait, faut pas ramener le médecin du club. Sinon, ils vont tous avoir la grippe. Putain, mais ça casse les burnes, hein. La cup, mon gars, je vais faire jouer les enfants. Un prime donné, c'est dur. Streamer sauvé. Speedfire, merci pour les 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Speedfire. Merci pour tous les subs, les copains. Merci infiniment de soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir. Voilà, et je sais que bah voilà, l'avantage, un, vous me soutenez. Et deux, pour vous, un, vous participez à l'effort de guerre, bien sûr, avec la communauté. Vous avez l'accès aux emotes. Et ça vous évite de prendre une petite minute de pub de temps en temps qui tombe. Merci Twitch. Chez Phil Winfield. C'est quoi, c'est la cup? C'est vrai que c'est la cup, c'est à domicile. Et après, on a des matchs importants. J'ai parlé avec Daniel Ayala aujourd'hui. Et il souhaitait discuter du nombre de ses titularisations. Qu'est-ce qui va me casser les couilles, les joueurs de rota? Joalen, tu peux t'en occuper, vraiment? Merci. Il a pas réussi à le rassurer, mais c'est super. Putain. Faut faire jouer en coupe. J'ai besoin de franchir un palier dans ma carrière. Et de quoi il parle? T'as 33 ans, mec. T'es surtout riche, du coup. Pas tant, malheureusement. C'est la kiné qui a les atouts contaminés. Ne serait-ce pas une grève camouflée? Un peu, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Mec, écoutez, je vais pas vous en faire tout un plat, je vous donnerai votre chance dès que possible. Voilà. Je te donne ta chance, mais il va falloir te démerder. Typiquement, tu vas jouer contre Wansfield. Là, faut que je fasse jouer vraiment les nuls, quoi. Les mecs qui ont pas l'habitude de jouer. Michu rend hommage. Oh putain, bah, bien sûr, entre Ukrainiens. Conférence d'avant-match, j'envoie Morgoton. 33 ans, la carrière va exploser. Non, mais c'est fou, ce mec. C'est fou. Le mec, il a 33 ans, il dit « Ah, j'aimerais passer un palier dans ma carrière. » Incroyable. En vrai, on a Birmingham dans une semaine, je blesse aucun joueur. Là, je t'annonce. Là, je fais une compo, mon gars, c'est place à la jeunesse. Hein. C'est place à la jeunesse, la compo. Hein. Jeff, faut te bouger le cul un peu, merci. C'est pas un sacrifice, mais... Tu vois, c'est... Ça s'appelle gestion de groupe, quoi. On va donner leur chance aux jeunes. Les jeunes ont droit aussi de jouer au football, hein. Maxam veut bâtir en prêt, mais c'est bien, Maxam. C'est très, très bien. Giovanni Van Broncos, sans déconner. Qu'est-ce qu'il fait? Le destin de Sheffield Wednesday confirme... Mais non! C'est le premier match de Sheffield. Attends, mais pourquoi ils ont viré leur gars? Ils sont aussi nuls que ça? Ah ouais, il a une petite série noire, quand même, l'ami. Ah ouais, j'avoue que le coach, depuis le début de saison, ouais. Il a eu un mois d'octobre assez positif. Moi, j'ai dit non à 5 millions d'euros. Oh la Wilsh! Pepech Cash 28, comme le nombre de points MS de futur posé ce week-end. Cœur rouge, la fidélite, monsieur plus souvent présent avec tous les projets du moment, mais les pensées sont toujours intenses. Merci beaucoup. Merci mon la Wilsh. Gel. Merci beaucoup. Merci pour les 28 mois d'abonnement et merci pour le tier 3. Merci beaucoup, merci infiniment. Bienvenue, Stabito. C'est pas exactement ça. Stabibo. Kevin Wednesday, si le club gagne un autre jour que le mercredi, ils explosent. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, le problème, c'est que c'est un nouveau coach. Nouveau coach, il a pas le temps de mettre son truc en place. J'ai eu très peur. Mais, parce qu'il y a un mais. Bon, là, mon gars, mets-moi tout le monde de disponible. Pas les 18 parce que c'est quand même des peintres. Ok, mettez-moi les joueurs disponibles. Voilà. Ok. Bon. Aubichon, ça dégage. Alors. Bon, en termes de gardien, déjà, on va aller voir lequel j'ai fait jouer. Evan Watt, je crois. Ah, Evan Watt, c'est pas cadeau. Attends, lui, il a un match. Archie Matthews, nul. Nathan Broom, c'est correct, hein. 1m88, les 1 contre 1, les prises de balles, les réflexes, c'est pas si pire. Ben Hughes, on s'en fout.
Evan Watt, c'est quoi? C'est de la merde, hein. C'est de la merde, mais il est gallois. Il est gallois, alors on y croit. Evan Watt, t'es titulaire. Bravo, Evan. Bravo, Evan. Suivant. On a besoin des défenseurs côté droit. On a qui? Mohamed Ani, je suis désolé. On va mettre Philippe Lissa. C'est quoi, ça? Il est mécontent? 19 ans. Ouais, bon, s'il est mécontent, on va pas le faire jouer. Harry Jones, il est sur la liste des transferts. Il reste Joe Thomas. Joe Thomas, il est nul, hein, mais il est là. Hein. Joe Thomas, il a envie de jouer. Hein. On va mettre Harrison Ashby, je suis pas complètement con. Par contre, on met Joe Thomas sur le banc. Fait une composition difficile, mais correcte. Timon, il est blessé, voilà, c'est génial. Josh Timon, voilà, domaine additionnel, rééducation. Lincoln McFadden, anglais. Ogbeta, il nous a bien régalé. Moi, j'ai envie de mettre Ogbeta. Pas de problème. Ogbeta, ça dégage. Ogbeta, ça dégage. Il nous a bien régalé. Est-ce qu'on a un autre gars qui peut jouer? Dabrowski, regarde-moi ça. Là, jeu de tête incroyable. C'est quoi ces mecs? Jenkins, c'est pas si pire. Ken Jenkins, c'est pas si nul. C'est nul, mais c'est pas si nul. Si nul en défense centrale. En défense centrale, on a ce qu'il faut. On va mettre Ayala. On va mettre Nathan Wood. Voilà. Alors on a ce qu'il faut. C'est bien. Ou alors je mets Kabango. Après, les deux n'ont pas de pied gauche. Ok, donc ça c'est pas pire. Ça c'est bon. On a du beau monde. Harry Jones, ça donne quoi? Dabrowski. Oh putain, j'ai vraiment des joueurs nuls. J'ai des joueurs, mon gars, c'est terrible. Hein. Il y a un ou deux FM, le futur du foot gallois était Matheus Robert. Il a pas percé. Ah, dommage. Il est nul, mais il peut jouer. On est sur un degré d'exigence négatif, ouais, un peu, ouais. C'est pas 66, c'est 70. Je l'ai. Bravo. Bravo, bravo. Il est défensif, on a qui? Joe Allen, il peut jouer. Joe Allen, il joue très peu. Non, mais on va mettre l'autre con, là. Fulton, il nous avait fait un bon match. Ok. Patinho, il va remplacer Patrick. Non, je respecte quand même le jeu, tu vois. Juste lui, il a qui de dispo? McFadden. Bon, McFadden, tu vas jouer. À la place de Bobby, chez qui? Josh Pescatore. Ah ouais, mais il a bah il a envie de jouer, hein, Josh. Là, il y a personne. Et bah c'est génial. Ah ouais, d'accord, j'ai vraiment aucun milieu, quoi. Oh, c'est dramatique, hein. En vrai, je peux mettre Liam Cullen, mais... En vrai, je peux tenter un petit Olivier Cooper en 9,5. Josh Guinelli, on va le vendre. Et pour le moment, personne ne le sait. Ah, personne ne sait qu'on va vendre Guinelli. Personne ne le sait. Voilà, on fait jouer un peu tout le monde. Michael Bates. Cac Dogan. Ben Lloyd. Et on a quand même pas que des bons joueurs, hein. Rohan Davis, l'avenir. Ruben Davis, l'avenir. Bon bah on y va avec ça. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas que des champions. On n'a pas mis que des champions, mais au moins physiquement... Physiquement, ça peut le faire, quoi. Ça va être un gros match. Est-ce qu'on va gagner? Alors là, démerdez-vous sur la prédit. Alors là, démerdez-vous sur la prédit. C'est comment il s'appelle? Sheffield. Comment il s'appelle? On est bien en Coupe d'Angleterre. Hein. Des numéros, pas de problème. Le 39. Le 34. Le 32. Voilà, démerdez-vous. On joue Sheffield Wednesday. Qui va gagner? C'est la Coupe. C'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais c'est la Coupe.
Deux jambes, deux bras. Voilà, deux jambes, deux bras, ça joue. Hein. Deux jambes, deux bras. On a envie aussi de donner leur chance aux jeunes produits issus du centre de formation gallois. C'est juste qu'à un moment donné, vous croyez pas en eux. Nous, on croit en eux. Nous, on croit en eux. On y croit. Comment décrire notre compo ? 11 êtres humains vaguement capables de courir. Vous allez être surpris, hein. Franchement, vous allez être surpris. Vous pensez vraiment que, genre, c'est une belle équipe, là. C'est une très, très belle équipe. Très, très belle équipe qu'on affiche, là. Mais vous êtes médisants. Là, regarde-moi ça. Olivier Cooper, Josh Guinelli. C'est très bon. Lincoln McFadden. Charlie Patino, Josh Pescator. Jeff Hulton, Nathan Alok-Beta. Daniel Ayala-Kabango, Harrison Ashby et Evan Watt. En vrai, derrière, on est solide. Juste le gardien est moyen as. Sur les ailes, on pue la merde, mais c'est de l'avenir. Et devant, ils sont pas en confiance, on veut les vendre. Mais on sait jamais. Voilà. La classique, bien sûr. Voilà. On a juste Jeff Hulton. Mais regarde-moi ça, Josh Pescator, comment il est motivé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On dirait l'OL. Bien, bien le bonjour, mon Flo. Bon, les gars, on y croit. On y croit, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe qui va jouer la coupe à domicile. On fait tourner l'effectif. On y croit. C'est la coupe. Qui ne saute pas, ne saute pas. Where I will follow Swansea, Swansea City. Where I will follow Swansea, Swansea City. En vrai, on a des joueurs de foot quand même. Après, on a Pescatore. Pescatore, on sait pas. Regarde-moi ça, le centre directement, il est intéressant. Il est intéressant, son centre. Il nous propose quelque chose. Il nous était, il... Moi, je sens qu'il nous propose quelque chose. Il a la volonté de faire quelque chose. Tu vois ? Moi, j'ai envie de les mettre en confiance. Prenez des risques. Voilà, prenez des risques. Voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, personne ne le fera à votre place. Voilà, faites-vous plaisir. Limite, si on passe, ça va être plus chiant qu'autre chose. Comment ça me fait chier, putain ! Il est surpossible à la jambe. Qu'est-ce qui se passe ? Heureusement que j'ai sélectionné Joe Thomas. Hein. Heureusement que j'avais prévu que Joe Thomas allait être énorme. Casse les couilles, sans déconner. Casse les couilles. Putain. Prenez du plaisir. Il s'en bat les couilles. Je lui dis, prends du plaisir, mec. C'est ton premier match avec Santi. Prends du plaisir. T'aimes pas ça, le plaisir? C'est fou, ça. Ouais, il y a de la chatte. Et il attaque sur une aile où mon défenseur vient de rentrer. Non, mais ils attaquent sur une aile. Mon défenseur, il était blessé. Il est où, Pescator? Thomas. Ah ouais, Pescator, il est pas là pour défendre aussi. Il a pas toutes les infos. C'est pas de chat quand même. Hein. C'est pas de chat hein, ce qui s'est passé. Moi j'ai confiance quand même. J'ai confiance, là c'est une équipe qui est certes pas. Voilà, le bon tac derrière là. J'aime bien ça l'esprit. Ah, c'est vrai que sur l'aile gauche, on est assez faible. Enfin, on a une aile où on est un peu faible. Sur le côté gauche de... Ouais, Pescator, ça fait 2-3 fois. Pescator, c'est... Ouais, c'est un peu de la merde. Oh là là. Les latéraux en mousse. Oh là là. Après, en termes de défense, normalement, j'ai des mecs qui sont censés être l'équipe bis, tu vois. Ah, c'est vrai que sur la droite, on se fait fourrer. Hein. On se fait un peu fourrer sur la droite. Bon, Liam, on a besoin de toi. Hein. Désolé. Pescator, t'auras joué 16 minutes, mais c'est pas de ton niveau. Hein. Vraiment, clairement, c'est... Pescator, c'est trop te demander. Allez, Patino. Oh, j'ai failli annuler le transfert. Ouais, Pescator, c'est juste, c'est pas ton level, t'inquiète. T'inquiète, c'est rien, c'est pas de ta faute, c'est moi. C'est moi, je me suis trompé. Allez,
McFadden qui revient sur Ogbeta. Ogbeta à la puissance. Et voilà, Patinio. Toujours croire en Swansea. Toujours croire en Swansea. Until the way I die. Where I will follow Swansea City. On y croit. Alors peut-être. T'as déjà bouffé deux sessions de changement. Merci de le préciser, j'avais oublié. Merci de le préciser. Ouais, mais il fallait le faire. Une blessure. Oui, récupération de Guinelli. Patinho. Vraiment, Liam Cullen, je te jure que si, à un moment donné, il attrape le cadre, je te jure que ça devient une bombe, ce joueur. Ça devient une bombe. Il est juste pas en confiance. Faut que je continue de lui malaxer un petit peu les burnas. Il est pas en confiance. Il a besoin qu'on lui dise, t'es un bon joueur. Allez, Fulton. Fulton sur Patinho. Patinho qui se retourne, qui va trouver Thomas. Thomas. Liam. Oh, le centre pour Mac. Oh, c'était bien joué. Oh, c'était bien joué. C'est arrêté. Hein. Corner. Corner. On sait qu'on est chaud sur corner. Ayala. Ayala, il est là pour ça. Hein. Patinho, le meilleur de l'effectif. Il joue presque pas à les comprendre. C'est un prêt d'Arsenal. L'année prochaine, quand on sera en Première Ligue, j'ai pas envie qu'ils utilisent Patinho en mode il est trop fort. Ouais, il est trop fort, il a joué à Swansea, quoi. Donc à un moment donné, moi, les joueurs prêtés pour faire... Oh, Watt, l'arrêt de Watt. L'arrêt de Watt. Je suis pas là pour être le centre de formation d'Arsenal, voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je suis pas le centre de formation d'Arsenal. Si toi, tu te fais prêter des joueurs et t'es leur salope, eh bah très bien, sois leur salope. Moi, c'est pas le cas, ok. Moi, je fais jouer la jeunesse. Je fais jouer la jeunesse galloise qui a envie de s'en sortir. Allez, peut-être un but juste avant la mi-temps là pour égaliser, ça serait magnifique. J'ai l'impression qu'ils sont pas sereins non plus. Ça reste, ils ont un nouveau coach. Ils passent toujours sur la même aile hein, quand même. Hein. Ouais, attends, il y a des olés, on est dans notre stade. Ils sont fous ces gens. Là, ils sont en train de faire une passe à 10 avec notre gueule quand même. Oui, là, l'interception de McFadden. Allez, la remise sur Cooper. Olivier qui la donne sur Patinho. Patinho qui peut la donner sur McFadden. Patinho qui fait de la merde. C'est récupéré par McFadden. McFadden, beaucoup. Guinelli qui fait une passe à Dawson. Il fait une passe, le mec. Le mec fait une passe. Le mec a des... Le mec, tu vois, il y a le gardien, il est dans la surface. C'est un attaquant. Il fait une passe. Putain, je vais me le faire. Les gars. Continue. Merde, non, je déconne. Ouais, non, pardon. Pardon, je déconne. Non, mais putain. Je suis con, père de 1. J'ai tenté d'être trop gentil avec eux, ça s'est vu. Pourquoi ne pas tenter de l'acheter à Arsenal? C'est pas con, mais parce qu'il coûte genre un truc comme 30 millions. Parce que les prix en Angleterre sont flambés. Et que nous, on a un déficit de 22 millions. Et qu'on perd 1 million et demi tous les mois. Donc nous, si tu veux, on a une vraie gestion. Nous, oui, la récupération. Liam Cullen, le sprint, il est incroyable. Ça se bat quand même du côté. Il faut juste qu'on tienne, quoi. Pas prendre de but, ça serait con. 46e, là, rentrée des vestiaires, ça serait ballot, quoi. Ça serait ballot. Voilà. Le but contre son camp. Oh, l'erreur de Dawson. Oh, j'y ai cru. L'erreur de Dawson, elle arrive. Eh, Dawson, il a pas l'air serein non plus. Hein. Alors lui, je sais pas qui c'est. Mais à mon avis, il est pas serein dans la vie. 1m94, 15 ans 1 contre 1, 15 ans réflexe, 15 ans prise. Mais il est trop chaud. 17 ans détente, 16 ans détente verticale. Mais il est trop chaud, ce bâtard. Mais il est trop chaud, en fait. Bon, bah, faut que j'arrête d'aller voir leurs joueurs, ça me déprime. Ça me déprime. Putain. Fais une cagnotte. Une cagnotte litchi. Attention, il est tout seul. Et laisse-le hors-jeu, putain, Ayala. Laisse-le hors-jeu. Putain, mais qu'est-ce que t'as besoin de reculer? Laisse-le hors-jeu. Ah, 46ème, on prend un but, c'est terrible, quoi. C'est terrible, là, il faut qu'on... Allez. Moi, je crois en la jeunesse, hein. Patinho. Bah, Cullen. Voilà. Oh, il est magnifique ce but. Patinho, Liam Cullen, la rédemption sur Guinelli. Le gardien tout aussi fort qu'il peut. 50ème directement, la réponse du Berger à la Berger. Il est beau ce but. Il est beau.
Ouais, étrange jeu, ce con. Il marque du genou. Il marque du genou. Allez sur l'engagement, tente quelque chose. Allez sur l'engagement, tente quelque chose. Patignon, gros match. Hein. On aime bien. On aime bien. Allez, mettez-moi un mur. Et on veut... Non, 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 non. Mais non ! Sur l'engagement ! Sur l'engagement, sérieux ! Putain, mais concentrez-vous 2 minutes, quoi ! Concentrez-vous 2 minutes ! C'est fou ! Ouais, voilà, on est en train de lâcher, là. Je pense qu'on est en train de lâcher, là. Putain, les mecs, on prend des buts, c'est incroyable. 51ème, 52, 54, qu'est-ce qui s'est passé, les mecs ? Parce que là, en vrai, honnêtement, ok, peut-être le gardien, il est nul. Peut-être que l'erreur, c'est le gardien. Je le prends pour moi. Mais quand même, à part Thomas, qui est nul à chier, qui est un jeune, Kabango, Ayala, Ogbeta, c'est des vrais joueurs qui peuvent jouer dans... qui sont censés être titulaires en championnat. Fulton, Liam Cullen, Patinho, oui, Cooper aussi. Guinelli, au départ, il était censé être dans la rota. Moi, je l'ai mis dans le loft. McFadden, en vrai, il fait un bête de match. C'est trop, là, ce qui se passe, là. 5-2, c'est un peu lourd comme score. Surtout quand les mecs ont 1,42 d'expecting goal. C'est vraiment que mon gardien est nul à chier, quoi. Allez, allez. C'est vrai que t'avais 2-3 occasions pour faire la passe. T'as décidé de conserver le ballon, c'est... Ça me rappelle mon premier match. Ah, c'est dur. Oh là 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 là, c'est dur. C'est dommage parce qu'il y avait un truc à faire. Je pense que vraiment le choix du gardien coûte sans doute quelques buts, quoi. Je pense que le choix du gardien, c'est dommage. C'est un gardien de Kudic. C'est le problème, c'est un gardien de Kudic. Ah, tu vois, ils nous disent vraiment, Evan Watt est pas... ne fait pas le meilleur match de sa carrière. Ah, si, il fait surtout le dernier match de sa carrière. Il fait surtout absolument le dernier match de sa carrière, je vous le dis. Est-ce que j'ai des mecs à faire rentrer? Je fais rentrer absolument personne. Ken Jenkins, défenseur gauche. On n'est plus à ça près. C'est vrai qu'il faut que je montre quand même qu'il a été nul. Il faut que je le remplace. Quand même que je lui montre. Tu vois, il faut qu'il y ait un truc. Il faut quand même qu'il sente qu'il a été nul. Tu vois ce que je veux dire? Faut lui montrer, quoi. En le sortant à la 72e. Allez, Ogbeta. Ogbeta peut-être. Ogbeta toujours. Fulton. Fulton pour Thomas. Thomas peut-être un but énorme. Thomas peut-être. Thomas tout seul. Thomas qui oublie de faire une passe. Thomas qui a pas de pote. Ça va faire mal mentalement. Ah non, j'espère que ça affectera pas trop les titus. Hein. Mais t'as vu, 1,75, on prend 5 buts, c'est qu'il y a un problème quand même. Bon, bah, on s'en va directement. Bah. Ça, une élimination de la coupe, c'est dommage parce qu'au tirage au sort, on était content d'avoir pris. On était content, mais en fait, l'enchaînement des matchs fait qu'on peut pas jouer là. Vraiment, c'est dommage. Ça. La coupe, on aurait pu la jouer si on n'avait pas eu de blessure. Avec toutes les blessures qu'on a eues, on a été obligé de faire tourner. C'est dommage. C'est ballot. 5 cadrés, 5 buts. C'est peut-être là, ouais, c'est peut-être là le problème. Hein. Vous avez pas tout tort. Hein. Je pense que vraiment le choix du gardien a été un problème. Et on va encore marquer. Hein. Patinho, super. Hein. Alors peut-être. Peut-être qu'on les domine, hein, ça rend fou. Hein. C'est que là, si on marque, il y a un espoir. Hein. Si on marque maintenant, il y a un espoir. Hein. Patinho, encore. Oh, Liam, je te jure. Je suis sûr que si Liam, il cadre, en fait, il explose. À 33ème, faut marquer maintenant. Oh, putain. Allez. Oh, putain, Guidelli. Match de fou, en vrai. Ouais, match assez fou. Hein. C'est terminé, mais bon, dommage. 5-3, c'est dommage. C'est dommage. On s'en doutait un petit peu, c'est vrai qu'il fallait... Mais il y a un bon match de Patinho, un bon match de Liam Cullen quand même, Ogbeta encore une fois, il me séduit beaucoup.
On aurait dû remporter le match, hein, voilà, je vous le dis, voilà, on aurait dû le remporter, c'est pas grave. Guinelli, bon, on va pas non plus hein, le susauter. C'est dommage, c'est la coupe, quoi. C'est la coupe, c'est les choses qui arrivent. La Carabao, elle tombe dans l'escarcelle au pénalty de Man City. Troisième tour de Coupe d'Angleterre, défaite de Santi, bon, c'est les choses qui arrivent. Harrison Ashby, blessure de rien du tout. Entre 7 jours et 3 semaines, c'est quand même pas la même. Inili hein. Marque pour ses débuts avec Santi, bravo à lui. On a gagné 3000 balles, super. Charlie Patino, super, t'as été énorme. Reste sur le même niveau pour la suite. L'entraîneur de Santi descend en flamme son équipe, bon, c'est les choses qui arrivent. Allez, on a une semaine, on a vraiment... On reprend les affaires courantes. Les affaires courantes sont vraiment le championnat. Et le championnat, c'est quand même... Qu'est-ce qui se passe pour Andrew Fischer? Je tenais à vous prévenir qu'Andrew Fischer ne semblait pas lui-même. Pourquoi? Il souhaiterait être prêté. Ah non, mec. Fixer un objectif. C'est quoi ton problème, Fischer? Frustration est justifiée. Je fais en sorte que votre importance au sein de l'équipe soit reconnue. Vous titularisez en coupe. Ben voilà. Il n'y a plus de match. Ah, c'est génial. C'est vraiment des petits détails sur lesquels le jeu il pourrait progresser quand même. Je vous titulariser en coupe. On n'a plus de match de coupe. Carabao, on s'est fait éliminer. Coupe d'Angleterre, on s'est fait éliminer. Pas de problème. Ah, il est con. Et il est content. Et il est sorti du bureau. Le mec était content. Hein. Le mec, il était content, le mec. Oh, le con. Oh, le con. Le mec, il était super content. Ah bah, ça fait plaisir. Elzers pourrait rejoindre Swansea. Non. Voilà, d'autres questions. Bon, on va avoir un match important, là. On a un champion du monde. Putain, Fischer, il est directement VIP sur la... Ah, Fischer, directement, il est dans mon cœur. Hop là, donc là, on n'hésite pas. Boum, général. Joueur de champ. Boum, possession. Boum. Physique, jeu offensif si tu veux. Boum. En défense. Tactique. Tactique de match. Bilan de match. Et la collation, bien évidemment, qui fait plaisir. Ok, on joue Birmingham et Southampton. Pour ceux qui viennent d'arriver, Birmingham, Southampton, concrètement... On est sur les deux premiers du championnat. Ils ont énormément de points, ils ont très peu de défaites. Maintenant, il faut qu'on intervienne. Il faut qu'on intervienne, il faut quand même qu'on les fasse chuter, qu'on les embête. Contre eux, on avait perdu. Apparemment, on avait perdu 1-0. Là, on avait perdu aussi contre Birmingham. On avait perdu contre Birmingham. Ah ouais, c'est le premier match, 2-0. On avait perdu à domicile, c'est le seul match qu'on a perdu à domicile d'ailleurs. Le seul match qu'on perd à domicile de l'année. Enfin, en termes de championnat, parce que bon, bien évidemment, ça ne compte pas vraiment la cup, quoi. Le seul match qu'on perd de l'année, là, on reçoit 60 tonnes d'abord. On doit se réveiller, quoi. On doit se réveiller, on doit montrer qui on est. Voilà, la FA Cup, tout ça, on enlève. Hein, ça, on enlève, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, d'abord, on va jouer Birmingham. Birmingham, deuxième du championnat. Birmingham, ça reste sur combien? Ça reste sur quoi? Ça reste sur quoi, Birmingham? Un match nul contre Bristol. Une défaite contre Leeds. Les petits sont en train de les grappiller des points. Il faut qu'on continue à appuyer dessus. Ils reçoivent Swansea, il faut qu'ils prennent la pression. Birmingham, faut leur montrer qui on est. L'avenir de l'histoire, sans doute. Hein, on s'en bat les couilles. On s'en bat. Qu'est-ce que ça raconte? Allez-vous accorder à Philippe Issa le temps de jeu qu'il demande? Non. Voilà, fermez-la. Ils s'en bat les couilles. Personne sait qui c'est. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? C'est un moins de 18 ans. Est-ce que moi je viens vous faire chier, moi? C'est à moins de 18, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ils sont fous ces gens. Les dirigeants de Earth Peace Guinelli. C'est pas mal parce qu'en vrai, tu vois... Oh putain, off pour Lincoln McFadden. En vrai, Lincoln, il a fait un bon match. Non mais viens, on le vend, viens, on dit on le vend. Lincoln McFadden, là. Il lui reste combien de temps? Il lui reste 6 mois, viens, on le vend. Allez, on le vend... Le mec vaut combien? 100, 160 000 balles. Allez, on le vend. Allez, allez, y a pas de petite économie là. Allez, 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 on le vend. Allez, allez, vendez. L'ami Guinelli.
pourrait s'élever environ 700. Ah, mais Guinelli, ça se prend, ça, hein. Guinelli, 750, là, comme tu viens de dire, là. Le million, on propose. On veut voir ça, hein. On veut voir ça. N'hésite pas là-dessus, hein. L'oseille, 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 on n'hésite pas. Hein. On se fait plaisir. N'hésite pas là-dessus, les gars. En vrai, vu l'importance de la FA Cup en Angleterre, t'alignes une compo pareille et tu perds, tu te fais incendier. Je pense aussi. Nicole McFadden, je suis ravi d'avoir trouvé un accord avec Exeter. Non, 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 non. J'annule. Casse pas les couilles. Et casse pas. Il y a 150 000 balles à se faire, on va se les faire. Transfert de Lincoln a été annulé. Voilà, il va gueuler. On le vend. On le vend. Putain, Thomas Ramos, qu'est-ce qu'il fout là? On le vend. Fischer qui rentre tout content et réalise que Swansea est éliminé des coupes. Merde. Je me suis fait baiser. Après avoir discuté avec Olivier Cooper, je pense qu'il n'a plus d'inquiétude au sujet de son temps de jeu. Eh ben voilà. Super ça. Super ça, les mecs sont contents. Là, d'accord. Bon, ça, on verra ça plus tard. Je sais pas si on va faire trop de transferts. Hein. Aurélien Schädler. Ça dégage, on s'en bat les couilles. Aurélien Schädler, on s'en bat les couilles. Je vous le dis, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je sais pas si on va acheter trop de joueurs, en fait. J'aime bien mon groupe de joueurs. On a acheté Bobichon. Bobichon a été blessé, ok, mais il va revenir. Je suis assez confiant, moi, sur notre groupe. Yam Kulen, il fait le boulot. Ça va de mieux en mieux, en fait, dans l'équipe. Josh Carré. Off de près. Oui, bah vas-y, mon con. T'as l'air tellement nul, mon gars. Est-ce qu'on a des offres pour les autres, là? Un petit intermédiaire, là, qui peut faire quelque chose? Y a pas un intermédiaire, là, qui peut intervenir, là? Il est où, Guinelli, là? Il est où? Non, mais il est où? Comment ça, il est indisponible? Je Guinelli, y a pas un truc à faire là, les gars? C'est intermédiaire là, peut-être? Attends, il a fait un match, il a mis deux buts en coupe, normalement, bon. Pour préparer l'année pro, il faut voir les contrats. Aucun club ne souhaite attirer Guinelli. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça a bien marché, ça. Ça a bien marché. Faut voir ça, ouais. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. On efface ça. On efface ça. Allez, allez. C'est long, ça. C'est long, c'est long, c'est long. Ça demande pas autant de... Ok. Ça. Ça, j'avoue que c'est pas si mal, ça. Que des mecs qui coûtent rien. Recherche rapide. Contrat expiration. On a fin de contrat dans les 6 mois? Ah, oh, c'est chiant, putain. C'est chiant. Contrat. Contrat dans 6 mois. Smaila Koulibaly. En vrai, tu le prends et tu le revends derrière. Tu lui fais un contrat, tu le revends derrière, c'est pas mal, hein. Jensen Ware. C'est des mecs à acheter, ça, hein. Belkebla, jure. Obition ne mérite-t-il pas qu'on le surnomme Gourcuff? Non, pour le moment, non. Vend toute l'équipe pour repartir sur de bonnes bases. C'est pas idiot. Pas idiot. En vrai, je me demande si je fais pas une offre sur Ismaël. John Fleck. John Fleck. Il n'y a pas non plus des gros joueurs. À part Ismaïla, mais... Tu lui fais une offre de contrat. Après, est-ce que vraiment il vaudra 18 millions à la fin? Et l'idée, c'est juste de faire de l'achat-revente, hein.
Je te jure que si on l'achète gratuit, il arrive. On est obligé d'attendre 6 mois pour le vendre. Ouais, non, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Il y a pas de joueurs qui m'ont tapé dans l'œil. Pas de joueurs qui m'ont tapé dans l'œil. Leicester qui bat, qui gagne dans son match en retard. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Leicester qui se retrouve à 2 points de nous. Et nous, on joue les deux premiers, là. Pff, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. C'est vraiment le moment où on peut basculer dans... Ouais, on peut y croire au barrage. Si on perd et qu'on se fait dépasser par Plymouth et tout, ça va être très compliqué. Même 10 millions, c'est bénef. Ouais, mais t'es obligé d'attendre longtemps. Ils n'ont pas compris le concept. Lloyd vers Coventry. Allez, bonne journée. Ils n'ont pas compris le concept sur McFadden. Ils n'ont pas compris le concept. C'est fou de faire ça. Alors attends, c'est quoi les strats? On fait ça, on fait ça. On se met à 100. Ah putain. Allez, on a dit quoi? 140. À 140. Négociable. Allez, là, on veut récupérer un peu d'oseille, s'il vous plaît, les gars. Sérieux. Il est où, Guinelli? Sérieux, les mecs, quoi. C'est chiant. On est censé être... On est censé être dans un pays où on peut plus vendre, quoi. Darling, on attend pour négocier un contrat. Arrête tes conneries. Darling, ça s'arrête quand? Non, c'est bon, Darling, tranquille. Tranquille. Bah attends, on porte pas les supporters, hein. Mais fermez-la, Darling, il est là. Yann Walsh. Et bon, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage, je m'en bats les couilles. Un séjour à la jonque est prévu prochainement. Bah, pas tout de suite, à vrai dire. Pas tout de suite, tout de suite, on est en suspense. Bon, Birmingham City, c'est deuxième. On va jouer là-bas. Ça va être un match compliqué. C'est un match qui peut tout changer. Birmingham. C'est-à-dire que c'est un match à 6 points. Qui va gagner? Vous avez le contrôle. Qui va gagner? C'est la question qu'on vous pose. Birmingham est favori, mais de pas grand-chose. Selon Whiskers, les joueurs de Swansea City sont tout à fait capables d'obtenir un bon résultat face à une équipe de Birmingham qui partira légèrement favorite. Le club de Swansea est actuellement classé 6ème de Skybet Championship. En s'inclinant, le club de Swansea peut se retrouver classé 8ème. Aïe, 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 aïe. Le club de Birmingham a pour le moment dépassé toutes les attentes de début de saison et se trouve actuellement classé 2ème en Skybet Championship. L'équipe de Birmingham a remporté 3 de ses 5 dernières rencontres de championnat à domicile. Attention. Attention. Neil Huddersfield, entorse de la cheville, John Sanderson, déchirure du mollet sont indisponibles pour Birmingham. Le défenseur droit qui a l'air assez bien. Et le gardien... Ah, leur gardien aussi, ils n'ont pas leur gardien. Ok, bon, c'est positif. Sunat Mahmoudov. Ouzbek. Sunat Mahmoudov est avec sa sélection. Lucas Dinan et Bill Kev sont également disponibles. Billy Hack, ça joue beaucoup ou pas? 16 apparitions. Quand même, hein, ils ont des mecs qui manquent. Hein. Bon, lui, on s'en bat les couilles. Ils ont quand même des mecs qui manquent. C'est positif. C'est positif. Patrick, jamais de la vie. Jamais de la vie. On y croit. Killing of my father. Peut-être, 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 peut-être. 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 Patrick, toujours un petit motif. Tac. Nathan, pareil. Hein. Super les progrès, là. Nathan, t'es un frère. Attends, il progresse. J'aime bien Nathan, hein. Vraiment, il fait du bien. Et Patigno, bon, on va pas en faire des caisses non plus, mais bravo. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, on va devoir faire une belle équipe. Hein. Là, on va devoir faire une belle équipe. On va être obligé d'aller chercher vraiment la quintessence de nos joueurs. Je me demande si je laisse pas Olivier Cooper. Je caresse, ça dégage. Je me demande si je dois pas... Putain. Alors, Plymouth, ça va à Huddersfield. Bon, Plymouth, ça peut gagner. Hein. Leicester, ça fait quoi? Ça va à Coventry. Bon, le dernier, ils vont les exploser. Donc, Leicester va nous passer devant, c'est sûr. Bristol, ça fait quoi? C'est à Preston. Preston, avant-dernier, ils vont les ouvrir en deux. Norwich, ça joue contre Hull. Bon, c'est à l'extérieur, on sait jamais.
Et Leeds joue à Cardiff. Cardiff, ça a toujours été, certes, le club ennemi, mais des frères pour embêter les mecs devant nous. Et Middlesbrough, ça joue à Millwall. Bon, ça va les ouvrir en deux. C'est dur. On a le match le plus compliqué. Ça joue avec Stanfield devant. Attaquant de pressing, bon, somme toute très classique. Et ça joue avec Miyoshi, que je ne connais pas. Joue avec des ailiers, ça joue très défensif, bien évidemment. Milieu défensif, mineur de gens libre. Des latéraux offensifs. Faut qu'on sélectionne une grosse équipe et c'est ce qu'on va faire. Donc, sélectionner une grosse équipe, je vous propose. Je vous propose. Il est blessé, hein. Il peut jouer ou pas? Joueur affaibli. Andrew Fisher. Il lui fait confiance. C'est un génie. Andrew Fisher. On met Karl au cas où, on sait jamais. Au pire, il rentre. À droite, Annie. Il a été incroyable. Il est où, Mohamed? En Bobichon, il est presque de retour. Presque de retour, Antonin. On l'aura peut-être pour le prochain match. Josh Timon, c'est bon, entraînement. Éducation. On va te mettre en rééduque aussi. Entraînement, domaine additionnel, rééducation. Ok. Wapa Greg, bienvenue. Rappelons que Fisher croit que... Ouais, bien sûr, bien sûr. La kiné a bien aidé, la kiné a bien aidé, a fait le boulot. Alors, Mohamed, t'es où? Mohamed Ani. Il est où? Mohamed Ani. Extrêmement bon joueur, il nous a fait plaisir. Christian Pedersen, solide, rien à dire. Ayala, Jerry Yet, je ne sais pas si on lui fait confiance ou pas. Liam Cullen, on va lui faire confiance sur l'aile droite. Ogbeta, il nous a fait des bonnes rentrées, donc on va le mettre. Harrison Ashby, on a que lui à droite, donc on valide. Harry Darling, bien évidemment, la pépite. À droite, on a Alfred, qui est quand même très content de jouer. On va jouer Tijaon ici. On met Grims. Jeff Hulton, on va le mettre sur le côté. On va prendre Wood, parce que Wood, c'est quand même sympa. Il est où, Wood? Nathan Wood, on le met là. Ensuite, Bobichon, il peut pas jouer, c'est chiant. Patrick, on a besoin de lui. Grims, il est où? Grims, il joue là. Joe Allen, on va le mettre pour... Ah, on va mettre Patinho. Patinho, il est chaud en ce moment. La question, c'est Mikolaj, bien évidemment, devant. Donc, Mikolaj redevient un attaquant complet. Voilà. Est-ce qu'on met Cooper ou est-ce qu'on met Jerry Yet? Moi, j'ai envie de croire en Cooper. J'ai l'impression que Cooper, il nous a fait beaucoup de bien dans l'entrejeu. Et après, j'avoue, on a Joe Allen à mettre et on n'a pas d'autres joueurs, quoi. Est-ce qu'on peut aller chercher... Non, il n'est pas disponible, l'autre con. Bah là, en vrai... ils sont tous blessés, les mecs, quoi. Ils sont tous blessés. Riette est une valeur sûre. Il représente le pâté. Wood, il envoie du bois. Bien. Toujours les mêmes vannes. Riette, il envoie du pâté. Toujours les mêmes vannes. La mage, en gros, le jeu sera disponible à 17h aujourd'hui, les copains. Bon, on y va avec cette équipe. C'est une équipe qu'on aime, c'est une équipe qu'on apprécie, c'est une équipe qui doit passer un cap. On est obligé de mettre Patrick, bien sûr. Au pire, on a Patinho qui est sur des bons matchs. On a Jeff Fulton qui est sur des bonnes rentrées. Ogbeta qui est sur des bonnes rentrées. On peut croire un petit peu à notre équipe. On est certes resté sur quelque chose de décevant, mais on peut croire en nous. On doit croire en nous. Allez, bordel. Allez, bordel. Aujourd'hui, c'est tout le Pays de Galles qui doit se lever. Aujourd'hui, c'est tout le Pays de Galles qui doit se lever contre Birmingham. Ils sont deuxièmes. Ils nous ont battus à domicile. Ils nous ont fait mal. Vous entendez les supporters? Ils sont venus nombreux. Ils ont envie de se déplacer. Ils ont envie de vous voir. Vous bougez le cul. Ils ont envie de vous voir développer un football délicieux que vous proposez. Que vous proposez depuis longtemps. Regardez comme vous êtes forts. Regardez comme vous êtes puissants. On est ensemble. On est ensemble. Il peut rien nous arriver. Tout le monde nous voit perdre. Mais nous, on sait qu'au fond de nous, on a le football qui peut nous permettre de gagner. On a le football qui doit nous permettre de gagner. On doit se faire confiance. 14e mois de sub. Merci pour le sub, Reloaded. On doit aller la chercher. Le tournant, le virage de la saison, c'est maintenant.
On se doit d'être solidaire. On se doit de faire l'effort pour le copain. Liam Cullen, ça fait 200 frappes que tu fous à côté du but. Cadre. Si tu cadres, tu marqueras un but. Nicolas, 14 buts cette saison. Un petit 15e, un petit 16e, on n'est pas contre. Patrick, t'es jeune, t'es talentueux. Tout le monde t'aime ici. N'en fais pas trop. Des passes simples. Simplifie ton jeu. Simplifie ton foot. Et tout le monde t'aimera. Allez. Come on, Swansea. The way I die, take me to the Westfield, we're on by the sea, where I will follow Swansea, Swansea City. Match à 6 points, on est à 6 points 2. Si on perd, on est hyper loin. Lui dit le nul. Bon match à tous. On va juste modifier 2-3 détails. Patrick, on va lui demander de faire des passes un petit peu plus simples. Est-ce qu'on a des trucs genre... Non, on est bon là-dessus. Il est comment ? Tac, tac, il est bien, il est bien. Voilà. Voilà. Il est bien, il est bien. On est bien. On est bien, on y va. Come on, Swansea ! Come on ! Oh, vous êtes hyper nombreux à avoir misé sur le match nul. Incroyable. À égalité, un léger avantage pour Birmingham. Sinon, c'est du match nul, c'est fou. Allez, attention, Bishoki, attention, c'est bon, c'est dégagé. Allez, pas. Sur corner, on est solide. Sur corner, on est solide, on le dit. On n'a jamais pris de but sur corner, à part sur un deuxième temps, troisième temps. Mais sur le corner direct, on prend pas de but. Voilà, Darling qui dégage tout de suite, Liam Cullen. Attention sur le deuxième temps, attention sur le deuxième temps. Oui, bien, belle défense, c'est Patrick qui dégage en touche, il a eu raison. Il a raison, occupation. Je fais une blessure avant la mi-temps. Ah, j'espère pas, j'en peux plus des blessures. Attention, Mitch Buchanan. Dembélé. Quel Dembélé joue à... C'est récupéré par Pedersen. Pedersen peut-être... Ah non, ils se sont pas compris. Heureusement, on récupère la touche. Ils se sont pas compris avec Tijan, le Hollandais. Peut-être qu'on va devoir aller chercher plus de Hollandais. Hein. J'ai l'impression que le Hollandais joue bien au football quand même. Alfred s'appuie sur Grims. Grims qui a déjà pris son... Ah, Patrick qui malheureusement a tenté une roulette. Zinedine Zidane, tout ça, mais... Ouais, Pedersen qui se bat, malheureusement. Ils sont nombreux. Attention, la frappe de loin peut-être. Ça décache sur Buchanan. Il faut se mettre devant, il faut se mettre devant. Oh le poteau qui nous sauve. Et la contre. Oh le poteau. Southampton qui ouvre le score contre Sheffield. Mais non, Kamaldine Souleymana. Mais attends, mais il est hyper connu lui. Attendez, mais Kamaldine Souleymana, mais... Mais pourquoi est-ce que je connais Kamaldine Souleymana? C'est pas une pépite d'il y a... D'un précédent FM? J'ai dû jouer avec Kamaldine Souleymana. À Rennes. Ah, ok. Je me disais, pourquoi je le connais? Un Doku raté. Ouais, dur. Un Doku, il a quand même mis un peu de temps avant d'être solide. Hein. On voit pas trop le ballon. On fait beaucoup de fautes. On concède beaucoup de terrain. Sortie de Fischer. Après un quart d'heure de jeu, on est dominé. Hein. Ils sont très très hauts, ces bâtards. Patrick qui a pris un jaune aussi, hein. C'est un peu dégueulasse. Bah, il faut lui offrir des solutions, Alfred. Hein. Merci beaucoup. Les Voulas. Oh, les Voulas. Patrick s'appuie sur Nicolas. Nicolas peut-être. Liam pour Nicolas, il le retrouve. Et la première action, c'est la barre. Le 15e but de la saison. L'enchaînement. Liam Cullen, la rédemption. Qui trouve Nicolas sur notre première occasion. Le jeu délicieux. Oh oui. Oh oui. Quel serial buteur. Nico. On l'avait annoncé, tel un oracle. Swansea. Oh le bonheur. Bristol qui mène. Allez, oh, si on met un deuxième, c'est incroyable. Pedersen. Le premier but de Pedersen sous ses nouvelles couleurs. Il enroule pied droit alors qu'il est gaucher. Le pied droit qui vient nettoyer la lune, c'est incroyable. On vient de vivre 5 minutes exceptionnelles de Swansea. Encore une passe des deux, Liam Cullen. Bon, en vrai, il a pas fait... Oh là, personne l'attaque.
Qui ne saute pas, ne saute pas. Oh, le coffre, je vois le coffre. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Après un gros quart d'heure, on a souffert. On a su trouver coup sur coup, vraiment l'ouverture. Sublime. Ah, on arrive à trouver hein, les triangles. Les triangles pour sortir de la défense. Mois de sob en espérant qu'on soit signé de victoire V de la victoire au moyennement clair. Un Grims qui récupère le ballon. C'est chaud là, je sens qu'on on essaie de faire du foot, mais en fait c'est pas notre truc le foot, putain. Sortez pas de la défense, voilà. Cassez pas les couilles. Sortez pas de la défense, voilà. Concentrez-vous sur les ailes, voilà. Envoyez le ballon sur les ailes. Dans l'axe, il nous baise. Voilà. Voilà. Relance pas là. Voilà. Voilà. Par-dessus la défense adverse. Longue relance au pied. Et on avise. Voilà. On avise. Voilà. Pas de rythme, ni plus ni moins. Voilà. Et on avise. On avise. À un moment donné, on essaie trop de relancer. On essaie de produire du football. On n'est pas, on n'a pas une équipe de footballeurs, nous. Fischer solide. 5 jaunes à la 30e. Ouais, bah ça, c'est une équipe assez agressive. Ouais, c'est pas faux. Ils nous provoquent, quoi. Pourtant, on est même pas en... Ne vous jetez pas, voilà. Ne vous jetez pas, les gars. Ne vous jetez pas. Pff, c'est chaud, c'est serré. Il faudrait arriver à la mi-temps. Oh, non, ça pue, ça. Oh, là, oh, le contre. Le contre d'Alfred. 45e minute. Allez, s'il vous plaît. Allez, pas de but sur Corlin. Pas de but sur Corlin. No but, no shot. No shot. Allez, allez, faut qu'on tienne. 45e minute de jeu. On n'avait jamais pris de but sur corner. Mais c'était sûr. On n'avait jamais pris de but sur corner. Oh, je suis abattu. Allez, Liam. Allez, les gars. Allez Mohamed Denis. Ah, le centre. Allez, la pression peut-être. Non. Darling sur le côté, tout de suite sur Pedersen. Tijon, Pedersen. Allez, pas mal. Allez, du monde. Nikolai. Cooper, pourquoi pas. Cooper, on t'a pas vu du match. Non. Oh, allez, corner. C'est pas fini. Premier poteau. Darling. Cooper. Putain, c'était contré, c'était pas mal ça. Je rappelle que des personnes ne voulaient pas d'Alfred, c'est vrai. Ah, c'est dommage, ce but à la con qu'on prend, putain, on était bien, putain. Pff, allez les gars, c'est bien ce que vous proposez, c'est bien, je pense que Olivier Cooper, il va sortir. On va se faire une petite stratégie là quand même. Je pense qu'on va se faire une petite strat. Cooper, ça sent un peu la merde, hein. On va mettre bien évidemment Gériette. On met Gériette. Ah là, il y a du jaune dans tous les sens par contre. Hein. Pff, c'est la merde. Je pense qu'on va, tenter Patinho. Même si Patrick, voilà, il n'y a aucun problème avec Patrick. On va tenter Jeff Fulton. En fait, on enlève les mecs qui ont des jaunes, quoi. On enlève les mecs qui ont des jaunes. On espère que ça va, ils vont mettre peut-être un petit peu de temps. On va avoir un quart d'heure compliqué, mais pour le moment, on fait un résultat sur le deuxième du championnat, c'est pas mal. Malheureusement, notre avance de 2 buts, on prend un sale corner. Mais là, on décide de faire quelques changements, de croire en cette équipe. Allez. À Cooper, hein. Ah non. Pff, l'enroulé, c'est bon, ça passe au-dessus. La moitié de l'équipe est en jaune. Ouais, c'est chaud. Gériette, l'idole de tout le monde. Ah, c'est l'idole du monde. 60e minute de jeu, on est bien pour le moment. On avait pas mal de blancs là dans la domination, on se crée des occasions, mais le problème c'est que là, c'est encore une animation sur Andersen, la sortie de Fischer. Fischer, on rappelle, hein, quel gardien en remplaçant, un gardien de coupe alors qu'on a plus de coupe. Nicolas, merci pour le 15e mois. Ça balance devant, c'est ce qu'on voulait aussi. On a un Nicolas qui est capable d'assurer Patinho peut-être. Patinho qui sort d'un bon match en coupe, le seul qui a globalement bien joué. Tijon, Pedersen, une bonne pression, hein, il nous faut reculer. Harry Darling, ouais, entre les lignes, pas mal. Nicolas extrêmement disponible. Annie peut-être. Annie qui peut la mettre sur Liam. Liam, Tijon, la frappe. Oh, j'aurais aimé. Oh, j'aurais aimé, putain. Oh, j'aurais aimé.
Nicolas, Alfred, on est très très haut sur le terrain, Ça joue sur Fischer qui est hors de son but, j'aime pas ça. Oh là là, Fischer, arrête tes conneries, Fischer. Fischer ne recommence pas ce genre de truc. Darling qui va tenter une... Ouais, Darling qui est pressé. Darling qui a eu un... Putain, il a fait un AVC. Salut Ben Bignon. Putain, Darling. Darling, tu me refais pas ça, je t'en conjure. Darling, ça t'oublie, hein. Ça, Darling, c'est terminé ce genre de merde, hein. Ils sont à deux devant maintenant, bande de bâtards. On va leur mettre une vraie pression. Ils sont à deux devant, ils sont passés sur un 4-4-2 très, très agressif. Allez, faut qu'on tienne, putain, 4-4-2 très agressif. Allez, faut qu'on tienne. Darling, il fait pas un bon match. Est-ce qu'on... Ouais, Darling, il est sur un 6.3. Bon, Darling est pas bien, on va mettre Nathan. On a envie de faire confiance en Nathan. Il faut absolument qu'on calme ça. Sur le reste de l'équipe, c'est comment? Jerry Yed, bon, il est rentré, il fait un peu de la merde, mais bon, c'est pas grave. Mettre un peu plus offensif, qu'il prenne un peu sa chance. On est sur un très très gros match de Liam Cullen qui fait bien plaisir. On se garde un changement. Allez, Nathan Wood, faut qu'il rentre, faut qu'il stabilise. Ouais, on a eu... Allez, pourquoi pas, Alfred ? Ah, j'aurais aimé, putain. J'aurais aimé sur ce coup franc, là. Ogbeta un peu. Ogbeta, il avait bien joué aussi. Allez. Il faut récupérer ça. Pedersen. Patinho, Fulton. Nicolas. Mais frappe, la con de toi, frappe. Putain, on n'aura pas de 19 au 15. Hein. Ah, c'est Nicolas qui centre. Hein, c'est le... Ah ouais, mais Nicolas qui centre, je vais pas te mentir que c'est de la merde. Nicolas, il fait 1m, c'est 1m90, faut pas qu'il centre. Putain, c'est lui notre tireur de sur corner. Putain, faut tout faire soi-même, en fait. Faut tout faire soi-même, c'est pathétique. Ah ouais, fait tirer Patinho. Pourquoi c'est lui qui tire? Patinho tire des deux côtés, m'emmerdez pas. Pourquoi c'est lui qui tire? Il est sur le terrain, là. Sur le banc. Ils sont complètement cons. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule, on est stressé. Tu vois, là, ça me fait chier, là. 76e minute de jeu, on est pas mal, on va pas essayer de perdre du temps, mais... Ouais, le gardien, il peut peut-être... Non, on dit rien, on reste comme ça, on est bien. Allez, pourquoi pas un corner, une touche, quelque chose. Patinho, Yet. Ah, oh, Jerry, attrape la Lulu, attrape-moi la Lulu, il reste 2 minutes, on est bien, là. On a craqué en toute fin de première mi-temps, on le sait, qu'on ne marque plus de but dans les 10 dernières minutes. Alfred, il est en pression, oh, putain. Oh, Alfred se dégage, je sais pas par quel miracle. Allez, Patinho. Oh, Qui libère Swansea. Alors qu'on... Oh, mais tout part d'Alfred. Alfred qui prend une pression de 3 joueurs. Alfred qui s'en sort, on ne sait pas comment, il balance devant. Nicolas, l'attaquant qui dévide la tête du haut de son 1m90. Patinho tout seul. Patinho encore, Patinho qui fixe Ruby. Et ça fait 3 pour Santi alors qu'on ne marque jamais de but dans les dernières minutes. Bon, là on va se mettre en prudent. On bétonne. Bonjour, on est là pour bétonner, bonjour. On met de la défense. Voilà, le reste c'est ok, hein, globalement. Toi, t'es un peu plus en défense, voilà. Toi, t'es un peu plus en... Voilà, t'es bien, t'es en soutien quand même. Faut apporter un petit peu de truc, voilà, histoire de dire. Est-ce qu'on a un joueur qui est crevé? Nicolas, mais après, Nicolas, il a fait le boulot. Et on va faire entrer Joe Allen au milieu de terrain. On va gonfler ce milieu de terrain qui est délicieux. On a plutôt un meneur de jeu... Milieu récupérateur. Alors, on récupère les ballons. Alors, on est là, propre. Après, devant, on a un con sur qui on peut balancer. Tu veux être quoi, milieu récupérateur, milieu box to box? Il fait les deux en fait, en vrai il sait faire les deux. Allez Joe, faut garder ce résultat. On a 2 buts d'avance, on joue,
Je rappelle, hein, la stat, c'est qu'on joue chez les deuxièmes. Hein. On est en train de le faire. On est en train de le faire. On est en train de le faire, il n'y a plus d'occasion. Ouais, putain, c'est peut-être le tournant. Le tournant de la saison, il est là. J'ai jamais joué à cette licence. Des conseils en particulier en tant que débutant. Max de cordes, en gros, le conseil, je pense, c'est prendre ton club de cœur parce que ce sera plus facile. C'est le club que tu connais. Après, il y a beaucoup de trucs. Il y a la vidéo « Comment débuter sur FM » d'Arthur Ray qui est pas mal. Arthur Ray, R-A-Y. Tu tapes ça sur YouTube, t'auras pas mal de conseils, mon Max. Le 4-5-1 des familles. Ouais, mais on a tenu. Hey, gros match de Liam. Gros match de Nico. Gros match de Mohamed Dani. Alfred, il a été incroyable. Il nous sort le vrai gros match. L'élimination de coupe était prévue pour se focus sur le championnat. Exactement, Stawell. Tout était prévu. Oh, le match de Swansea. Le match de Swansea qui fait la différence. Messieurs, dames, bien évidemment, pour Swansea, qui ne saute pas, ne saute pas. Qui ne saute pas, ne saute pas. Leeds qui fait match nul, Cardiff le sang, Plymouth qui gagne, Norwich qui fait match nul, Middlesbrough on s'en fout, Bristol qui gagne, Southampton qui gagne. Leicester a fait quoi? On n'a pas encore l'info pour Leicester. 49, on est à 2 points de Middlesbrough. On est à 3 points de Norwich et de Birmingham. Et 3 points de Leeds. On est à 3 points d'être qualifié directement. Après, on a une différence de but qui est nulle. Mais on a 3 points d'être qualifié directement pour la Première Ligue. On a au 27e match. Il y en aura 36 dans la saison, tranquillou. Et on a 3 points d'avance sur Bristol. Et 4 points d'avance sur Plymouth. Ce qui est vraiment bien. Et on aura techniquement 2 points d'avance sur Leicester. Putain, il était important. Par contre, là, après, on joue Southampton, ça va être très, très chaud. 46, oui, j'ai pas 36, oui, je suis complètement con, le mec. Et forcément, on a des blessés, bordel de merde. Allez, rééduque. Karl Rochefort en rééduque, ça va faire du bien. Antonin Bobichon en rééduque, ça va faire du bien. Là, on va peut-être retrouver tous nos joueurs. On va peut-être retrouver tous nos joueurs pour le gros match. Oh la vache! Oh, Liam, la rédemption. On est peut-être en train de vivre une histoire d'amour merveilleuse avec Liam. On est peut-être en train de voir une histoire d'amour merveilleuse avec Liam. On est en train de se susauter l'un l'autre. On se tourne autour du... Parce qu'on s'aimait bien, mais on a souffert. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir suivi le live. J'espère que vous avez kiffé.